Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour ce petit GLG part en live du dimanche parce que tu dis mais on avait dit le mercredi et peut-être le samedi, il y a un dimanche. Oui, un dimanche sur deux. Un dimanche sur deux, on fait un live dont le but de ce live, si on vous demande quel est le but de ce live, c'est juste de vous faire gagner des cadeaux. Vous le savez, je suis GLG Review, votre dealer d'accro. Je fais des reviews pour les marques chinoises et toutes les marques qui ont envie sur ma chaîne YouTube GLG Review. Et grâce à ces partenariats incroyables, je les ai contactés. J'ai dit, ça serait bien qu'on offre à la communauté des cadeaux le dimanche pour faire un peu la promotion de votre marque, bien évidemment, et de votre produit. Mais comme ça, de leur faire gagner des produits, ça serait sympa. Et les marques ont répondu présent, parce que pour l'instant, on a déjà pas trois partenaires qui sont, et un quatrième que vous aurez plus tard, voilà, on a déjà presque quatre partenaires qui sont chauds pour vous offrir des cadeaux, et ça fait extrêmement plaisir, enfin surtout à moi, et je pense que ça fait surtout plaisir à vous, puisque vous êtes déjà 262 à me follow sur Twitch, donc bon, je doute que vous me followez pas juste parce que vous m'aimez, et qu'on passe un bon moment, et une heure incroyable, parce que oui, on va passer un bon moment, une heure incroyable aussi, ça c'est le petit bonus. Mais on va quand même vous faire gagner des cadeaux. Alors ça commencera à Icar, et ensuite à 25 et à 35, on commencera, si vous savez c'est quoi les cadeaux. Alors les premiers cadeaux, vous les trouverez sur jtgeek.com, si vous voulez trouver les liens et tout ça, tout ça. Ah, j'ai oublié de mettre le lien de jtgeek. Ah, quelle cruche. Une caméra... Ah non, il y aura un chèque cadeau Amazon de 10 euros. Ça, c'est pour commencer. Petite mise en bouche. Deuxième cadeau, il y aura une batterie externe avec son chargeur intégré et tout. Alors, il n'y en aura pas une, il y en aura cinq, encore une fois. Mais bon, je vais gagner qu'une semaine, faut pas déconner. Et il y aura une caméra IP Wi-Fi 2,5K d'une petite valeur, on a regardé ça avec Shadow, de quand même 47 euros, la petite caméra. Donc aujourd'hui, sans se mentir, puisqu'on ne connaît pas encore le prix de la batterie, il y en a au moins pour 100 balles. Moi, je dis, il y en a au moins pour 100 balles aujourd'hui. Voilà, comme ça, entre vous et moi. Bonjour à tous, bonjour. Alors, je vous rappelle, Shadow vous l'aura mis ici. Si vous voulez tipper, vous voulez faire un Tipeee, normalement, il y a la musique de Rocky qui doit se mettre. Si vous faites un Tipeee, ça s'affichera en bas. On dira merci au tipeur à chaque fois, bien évidemment, qu'on entendra la musique de Rocky. Vous pouvez également commencer déjà à suivre Veger. C'est la seule part. Elle m'a dit, moi, je vous offre 5 batteries. 5 batteries externes avec le chargeur et tout comme ça, Power Delivery, et le petit câble comme ça qui est intégré USB Type-C, que c'est trop génial. Elle dit, moi, je vous en offre 5, mais ça serait bien que, quand même que vous disiez à votre communauté de nous suivre sur Facebook ou sur Instagram. Vous choisissez, les deux liens sont dans la description, vous choisissez là où vous voulez les suivre. N'hésitez pas à le faire. Et alors, vous pouvez aussi envoyer des diamants comme ça, comme le fait BZH. Merci beaucoup, mon pote. Et vous pouvez même mettre vos messages en avant. Et je crois que vous pouvez même mettre des chats. Pour ceux que, voilà, dans les vous mettez un commentaire. Et là, normalement, il y a même possibilité de mettre des chats. Je vous rappelle, puisqu'aujourd'hui, c'est une spéciale dédicace à mon chat. Enfin, j'ai eu un chat depuis 3 semaines que j'ai sauvé. Parce qu'il était, il est venu de voir chez moi. Il avait une double information. Et il est mort samedi. Donc voilà, paix à son âme. Il s'appelait Geekou. Et je vous laisse même pas deviner quel sera le mot de passe du jour. Bon, on ne voit pas. Fred, rafraîchis la page. Ah non, on voit pas. Comment ça? C'est la famille. Si t'es le seul à me dire qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a un problème. Moi, je me vois bien, je suis en replay. Je vois bien sur... Non, non, moi, c'est bon. En théorie. Bonjour à BZH. Alors, merci. C'était quoi le diamant qui est passé? Merci à Shadow pour les diamants, puisque les diamants sont éternels et que ça fait plaisir, en plus, bien évidemment. Bonjour à BZH. Bonjour à Lexia, à Backfedo. Les GLG potes. Bonjour à... Alors, attends, c'est Bigou, on a déjà dit bonjour, ça. Bonjour à Zappy. Ou à Fromain. Oh là, il y a du monde, Fred. Tu feras gaffe, t'as laissé ta godasse sur ton t-shirt. Oui, parce que c'est un faux t-shirt, mais avec une vraie godasse dessus. C'est-à-dire que c'est pas un t-shirt Adidas, mais ils ont mis des chaussures Adidas dedans. Et j'en ai même 3, regarde. Voilà, tout ça, en me caressant les tétons, bien évidemment, c'est passé inaperçu. J'adore tes reviews YouTube, ta perce... Ta personne est top, je trouve. Eh bien, écoute, merci à Bigout. Merci beaucoup. T'apprécies la chaîne, si t'es abonné et tout, n'hésite pas. Share, commentaire et pouce en l'air. Like and subscribe. Alors, non, j'en étais où? Voilà. Bonjour, papa. Bonjour à Sébastien, bien évidemment. Nous sommes voisins, moi, du côté de Faou. Alors, rien compris, mais enfin bon. Ouais, regarde, tu vois que ça marche bien. Merci pour le petit Tipeee qui vient de tomber. Alors, vous avez... Enfin, normalement, vous avez entendu la musique de Rocky. Moi, je l'ai entendu. Alors on regardera quel est le tipeur quand ça va défiler, puisque ça s'affiche pas dans mon dans mon jbounce là. Il faut que j'attende. Merci à Sébastien pour son petit Tipeee de 1 euro. Sébastien qui prend la tête de notre liste, par exemple sur Tipeee.
J'avais l'impression que Sébastien va jouer ce soir. Si t'en mets 5, tu mets 5 fois 1 euro, et ben tu peux gagner. Je rappelle, tous les tipeurs, ça permet de financer le JT du Geek mardi et vendredi. Et également, tous les tipeurs reçoivent toutes mes reviews 24 heures avant tout le monde. C'est-à-dire que la vidéo de lundi, si vous allez sur Tipeee et que vous faites un tips, pendant un mois, vous verrez toutes mes vidéos avant tout le monde. Vous les recevrez par email, et sinon, vous les trouverez déjà dans les news. Merci beaucoup. C'est la fête. C'est la fête. Voilà, le mot de passe, ça sera bien un moment, point d'exclamation, Geekou. Mais ça, on ne spoil pas, on garde ça pour tout à l'heure. Mais ça sera ça qu'il vous faudra pour participer au tirage, au sort du jour, et gagner un de nos, par exemple, 3 cadeaux incroyables. On lancera le jeu, il faudra mettre simplement, quand le jeu est lancé, en commentaire, Geekou, merci beaucoup, il faudra mettre simplement Geekou, point d'exclamation, Geekou, en majuscule, vous participerez automatiquement, mais ça, on va le faire ensemble le premier, pour que tu aies le temps de te lancer, on vérifiera les participations et tout. Et puis après, bah, le deuxième et le troisième, normalement, ça devrait passer comme un doigt, j'allais dire, un doigt dans la... Non, une lettre à la poste. On n'est pas comme ça. Le bot n'a pas encore démarré. Ah oui, c'est con ça. C'est vrai, c'est vrai. Hein, il a un peu de mal, hein, il est un peu à la bourre. Le bot est frédifié. Pas grave, j'attaque. Mais non, ça n'a pas commencé. Il faut lancer le jeu. Merci encore une fois. J'oublie que c'est quoi. À mon avis, c'est Sébastien qui nous en a fait 5. Il a pris la tête. Voilà. Donc en gros, celui qui arrive, il en met un, il dégage Sébastien. En gros, pour le jeu. 1, 2, 3, 4. C'est ça, merci beaucoup Sébastien, ça fait plaisir. BZDH, c'est bon, Geekou, non. Ça va pas commencer. Je les ai déjà. Alors merci à tous ceux qui vont follower Veger sur Instagram et sur Facebook. C'est pas une condition qui est obligatoire, mais comprenez que la marque vous offre quand même 5 batteries. Qui arriveront. Par contre, les batteries n'arriveront qu'au mois de février. Hein, donc, si vous gagnez, vous ne les recevrez qu'à partir du mois de février. Donc, peut-être l'intérêt de les follower sur Instagram, puisque comme ça, dès qu'ils font, ou sur Facebook, dès qu'ils font le lancement en disant « ça y est, les batteries sont disponibles », eh ben, vous savez que vous pourrez soit me relancer moi, en disant « hey, tu peux les relancer parce que les batteries sont dispo, qui me l'envoient », ou les relancer eux, pour être sûr que ça soit bien la bonne personne. Mais au moins, voilà, vous pouvez déjà les follower sur Instagram. Si vous gagnez la batterie, hop, dès que la batterie elle sort, vous revenez et tout. Et il y a 5 batteries, donc vous en gagnerez une par dimanche, donc au moins 5 dimanches. Moi j'ai trouvé ça gentil de leur part. Mais Rip Geekou, bah ouais, je sais bien, après voilà. Ils y arrivaient, étaient en mauvais état. Je rappelle, il avait deux cancers, le pauvre chat. Inflammation de la trachée, après on a vu qu'il avait deux cancers. Voilà, il donnait pas cher de sa peau, mais il a eu une belle fin de vie. Bonjour à Shkunadek. D'accord. On te voyait pas, tu sais, il n'y a que toi qui me voyait pas. Alors on fait le commentaire, arrête l'alcool, ou alors commence, c'est l'un ou l'autre. Bonjour à DDS, il y a plein de nouveaux pseudos hein, que j'ai pas, ouais, bah, première fois sur le chat, j'ai bien vu ça. Bonjour à Nico33, bonjour à Or0, hein, pas mal. Big nous encore désolé pour ton chat GG. Bah écoute, après voilà, après c'est vrai que ça manque mine de rien, parce qu'on avait l'habitude qu'il soit là et tout, et puis bah des fois toi je me lève, il faut que j'en ai à manger à Geekou, bah il y a plus de Geekou. Voilà, merci à BZDH pour le Tipeee. BZDH qui reprend donc la tête du chat, la tête de la liste et non pas la tête du chat. Voilà. Oui, bah après j'avais l'habitude qu'il soit là, le à manger le matin, le soir je donnais ses antibiotiques et tout ça. Il y avait une espèce de rituel. Et là quand je rentre, avec le portail, je dis, ah, mais il n'y a plus de chat, c'est fini ça. Alors des fois je me fais des blagues, il est où chat? Et minou minou, Geekou Geekou. Voilà, il n'y a plus de Geekou, fini, voilà. Geekou, on l'a jeté là. Mais alors pour savoir comment on a fait du chat, alors moi j'appelle, je réside en Thaïlande. Je l'ai. Avec mon pote Jean, on l'a mis dans un temple où il y a un truc pour incinérer soit les gens, soit les chats et tout. Donc ils ont un truc, ils l'incinèrent et après ils te donnent un petit sac, comme ça, avec de la salle en toile. Et après t'en fais ce que tu veux, soit tu mets chez toi. Et nous on a décidé de le jeter ses cendres à la mer. On était à la mer, oh, il y a une espèce de faux phare là-bas. On a ouvert le truc, on a jeté dans l'eau comme ça. C'était beau, putain, là, le truc, qu'une vraie histoire. Bon après voilà, bon, je me dis, bon, après voilà, on a jeté les cendres à la mer du chat, voilà. C'est pas la mère du chat, c'est et non pas la mère du chat non plus. C'est la mère. On a jeté le chat brûlé, les cendres du chat dans la mer. Voilà. Parce que après, je vous connais. Hein. Encore Fred va tout de suite rebondir avec une blague un peu graveleux. 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 Alors attends, c'était qui? J'ai pas regardé, c'était pas le... Fred, c'est la musique de Rocky sous stéroïdes. Il a rudement envie de... Alors, non, parce qu'en fait, le problème, c'est que les musiques de Rocky sont libres de droit. Enfin, non, les musiques de Rocky sont copyright, donc Tipeee pour pouvoir utiliser la musique de Rocky
pour les nouveaux types, ils ont été obligés de mettre une petite variante. Voilà, c'est comme les ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Voilà, donc là, c'est un peu, voilà. Merci à BZH, notre dernier tipeur. C'est bon, c'est fait. Et les diamants sont éternels. On l'a vu, ça, c'est bon. Shadow et BZH. Un slip connecté à gagner. J'ai pas encore, mais si tu veux, je peux essayer de te truquer quelque chose. J'ai eu un deal pour des poupées en silicone de 1m60. J'ai une marque de Chine qui m'a écrit, elle veut m'envoyer des poupées en silicone de 1m60 avec une paire de yeux incroyable, bien évidemment, et on se doute bien qu'elles n'ont pas la bouche en cœur, mais comme c'est du silicone, il y a moyen de lui faire manger des cerises, voilà, par exemple. J'ai répondu, je vous en fasse quoi. Déjà, on peut pas les importer, et après on faire quoi de tout ça. On va poser là, comme ça, dans le chat, ma jeune amie, je ne suis pas encore assez déprimé, hein. Quoique, ça vaut quand même 300$ leur truc en prix usine, et ils disent que tu peux les revendre 2000$. Tu peux choisir ta taille, ta forme. Bon, ça vous intéresse, on parlera de ça un jour. Les photos, je pourrais ouvrir le mail, vous faire voir le dépliement, le site du. Ça pourrait être un très bon live de mercredi. Ça pourrait être un très bon live de mercredi où on va proposer. On va proposer de revendre des sex dolls. Voilà, un titre putain qui. Voilà, si on les voit pas dans les pollutions atomiques, mais voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Première fois de Roll 6969. Ah, 6969, la Team 69. Team 69, mon pote. Néo Tonkin, je veux dire, voilà quoi, quand même. Premier mois direct, j'avoue que tu me fais bien marrer. Eh ben écoute, tant mieux, ça fait plaisir. Comment vous êtes, 37 en ligne. C'est pas mal. Merci à BZH pour les bits. Ça pulse les bits. Coulé. 5 coulés. Non, même pas. Non, tu t'es fait. En fait, c'est la musique de Sébastien maintenant. Merci à Shadow pour les bits. Qui reprend le challenge, qui reprend la liste. Merci à eux pour les batteries. Voilà. Donc, on peut dire merci. On en parlera tout à l'heure de leur batterie. On peut dire merci à Veger pour leur batterie, évidemment. Et puis, bah, merci d'en offrir 5. Quand même. Voilà. Je veux dire, la meuf, elle a fait. Parce qu'elle nous en voulait combien? Bah, nous, c'est une par semaine, mais je vais en faire une par semaine. Si vous voulez en offrir plusieurs, elle me dit, oh, je vous en donne 5. Voilà, ils ont fait une review, ils ont payé une review, ils offrent 5 batteries et tout. C'est propre, vous pouvez les suivre sur Instagram. Shadow va vous copier les liens comme ça. Instagram ou Facebook, vous les suivez là où vous voulez, ça leur fera plaisir, vraiment. Et moi, ça me fait plaisir. Et encore une fois, c'est le genre de marque, sans vouloir vous mettre la pression, c'est le genre de marque où on pourrait gratter comme ça toute l'année. C'est-à-dire que là, on a quand même 5, on en fait un toutes les 2 semaines ou tous les 100 followers. On a gratté 5 batteries. Je suis convaincu que si on a plein de followers et d'abonnés, une fois qu'on aura passé les 5, on leur écrit, on pourra encore gratter des trucs. Moi, je dis ça, je dis rien, mais bon, voilà, comme vous, parce que vous voulez. Mais si vous aimez gagner des trucs, moi, je suis prêt à vous offrir. Tous les, c'est pas moi qui offre, hein. Je vous rappelle, hein, vous gagnez le truc, vous m'envoyez votre adresse, je leur envoie et c'est eux qui vous envoient les cadeaux, quoi, parce que c'est le deal. Paix à son âme, au chat, merci pour lui. Bonjour Alex, de Mechev. tu fais bien de préciser, j'y avais pas pensé. Ok, tu as fait un poisson chat. ouais. Ouais, c'est dans la mer, hein. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de poissons chats dans la mer. Mais bon, voilà, c'est un chat tambré. tu as brûlé Jean au Guicou. Guicou seulement. Non, Jean, ça va. Il peut encore conduire. Ça le fera marrer. Il a encore. Il a jeté des déjections de chat dans la mer. En gros, c'est ça. J'ai jeté du chat. Voilà. Après, ne dis pas que j'ai pollué la mer. C'est bon, ça va. C'est pas quand même. Quand on voit toutes les merdes que les gens jettent, voilà, c'est quand même du chat cendré. C'est le cas de le dire. Bon, Guicou 1, 2, 3, Guicou, ça va commencer. Slip chaufferette, agréable en hiver. Alors le slip chaufferette a deux intérêts. Un, il donne chaud l'hiver. Et deux, c'est un contraceptif pour hommes. Parce que, à savoir que si tu fais... C'est, en fait, le, tes boons sont plus à... Non, si tes boons sont à plus haute température que ton corps... Et ben en fait, tout est stéréosorisé, voilà, parce que je pense qu'il y a des mots qu'on n'a pas le droit de dire, hein, pas le droit de me faire bannir, comme ça, et ben son quasiment fonctionne plus. Ça veut dire que tu pourras toujours y aller, mais ils seront un peu mornés eux aussi, tu vois, voilà. Donc ça a quand même deux avantages. Un, ça te tient chaud, et ça fait un espèce de contraceptif pour hommes naturel. Et ça, c'est véridique, faut chercher sur Internet, c'est parole de professionnel.
Non, merci, mais c'est là Shadow, des poupées en review de lui. Non, pas de ça. Non, mais je trouvais ça drôle que le mec il me fasse un mail en proposant ça. Alors, t'as les prix et tout. Alors, moi, je vous me dites ça en commentaire, ça vous intéresse. Et j'en cas, mercredi prochain, je fais, on m'a proposé de vous revendre des sex dolls. Et puis voilà, on en parle, je donne le nom du site. Au pire, vous les contactez eux, vous achetez chez eux. Vous les contactez de ma part, ça leur fera plaisir si vous voulez se lancer dans ce business-là et tout. Mais alors, il y a un mètre de taille. Il y a un mètre, si vous aimez les petites, il y a 1m30 et 1m60. Après, il y a un truc de 1m80, j'ai l'impression que ça doit être la boîte. C'est après 1m80. Et il y a pour femme et pour homme. Voilà, il y a pour homme, donc là, t'achètes une femme. Et il y a pour femme, donc t'achètes un... Mais il n'y a pas de photo sur le site. Ou alors, j'ai mal regardé. Ou alors, on regardera ça dimanche. On regardera mercredi prochain. Moi, je vous dis en commentaire, moi, je suis open. Il n'y a rien de graphique dessus. Il n'y a rien de graphique et de truc. Mais il y a du sujet. Bon, première fois d'un spectateur, un message est exprimé par un modérateur. D'accord, ouh, ça vient spammer, ok. Bigfoot, tant qu'elle parle. Tant qu'elle parle pas. Bah, ouais, c'est vrai qu'elle peut être sage. Et en plus, si je l'assis sur l'aspirateur, si je l'assis sur le robot aspirateur, elle passe le ménage. À quatre pattes sur l'aspirateur, et tu fais rouler l'aspirateur dans la maison. Au pire. Tu les mets les mains devant avec une lingette et tu la poses sur le robot et comme ça elle passe la serpille. Bon, calmez-vous, je vous vois déjà partir en houille. J'ai entendu l'histoire du Sylvain Tremblay après pour faire confiance en son slip. Toujours. Toujours, mon ami, toujours. Du moins, le slip ne peut pas crever. J'ai bien aimé tes visites d'appartement à vendre. J'avais l'impression de voir Stéphane Plaza. Exactement, c'était moi. Sur GLG Review, je suis, Pierre Belmar, téléachat, et pour téléchargement, voilà. Bon, on a essayé plein de trucs, hein, quand même, hein, voilà. Pourquoi avoir supprimé mon commentaire sur les dolls? Alors soit c'est le robot qui l'a bloqué automatiquement, ce qui est possible, si t'as mis un mot un peu machin, soit c'est Shadow, et dans ce cas, il t'expliquera pourquoi. J'ai supprimé avant qu'il... j'ai supprimé avant qu'il en parle. D'accord. D'accord, il a été trop vite. Ah mais il est réactif, notre administrateur, modérateur, dominateur. Il est un peu plus dominateur que modérateur. Mais bon, voilà quoi. On veut des dolls. C'est le robot pour les mots tendancieux. Aussi, voilà, il est un peu ça. Alors je reformule. On veut des dolls. D'accord. D'accord, vous vouliez... Voilà. Donc moi je suis bien... si vous voulez des dolls, il peut y avoir des dolls. Il n'est pas très ponctuel par contre. D'accord. Bon, allez, question, vous avez commencé les cadeaux. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, l'administration, je veux voir un peu comme ça. Ça se passe comme ça. Ici, il y a l'administration et tout. Ici, il y a mon jeu. Le premier, ça sera le chèque cadeau Amazon. Donc, premier lot, ça sera un chèque cadeau Amazon de 10 euros. Ça veut dire que quand vous gagnerez, je mettrai un commentaire. Vous aurez juste à cliquer sur mon commentaire. Vous pourrez chuchoter. Pour le chèque à cadeau Amazon, il me faudra juste votre adresse email. Demain, moi, j'envoie l'adresse email à Amazon et eux, ils envoient un chèque cadeau de 10 euros que vous pourrez dépenser sur Amazon à votre bon vouloir. Et c'est pas ça que je voulais faire à l'avance. À l'avance, je voulais vous mettre une page de pub. Je me suis dit, pourquoi je leur mettrais pas une petite page de pub pour commencer? Chaque début de cadeau, une petite page de pub, ça permet moi de boire un peu. Voilà, comme ça. Puis si vous voulez de la pub, dites-moi ce que vous avez vu, parce que... Voilà, comme ça, si vous avez vu un peu de pub, dites-moi ce que vous avez vu comme pub, parce qu'apparemment, c'est très très rare. Hein. Ça doit quand même être fun. Ça, les poupées, ça peut être quand même fun. Enfin, j'imagine. Ziva, je parlais du robot. Bien sûr, du robot aspirateur avec la meuf à quatre pattes dessus qui tient une serpillière. C'est un concept. Guigo, ça n'a pas commencé. Oui, la pub. Ah, c'est ça, bien. Écoute, trop bien. Bonjour, désolé. Bonjour, Michael. Voilà, Samsung Galaxy S21. Chuchoté. Pub Samsung. Ah, d'accord. Ah, ok. Là, vous me dites ce que vous avez vu comme pub. Alors, s'il y en a qui ont eu la chance d'avoir une pub, n'hésitez pas à dire ce qu'ils ont vu, puisque, apparemment, il n'y a vraiment que... Alors, si vous êtes abonné à la chaîne, bah, vous n'en avez pas, bien évidemment. Mais si vous avez de la pub, n'hésitez pas à dire aux autres ce que vous avez vu comme pub. Bon, 4, 3, 2, 1, comme ça, s'il y a eu de la longue pub. Allez, on revient sur le jeu. Donc, je vais lancer le giveaway. Pour une fois que le giveaway est lancé, il y aura un message dans le chat qui vous dira « il faut recopier ». Point d'exclamation, Nikou en majuscule. Si vous faites ça, vous participez automatiquement au tirage au sort. On attend 5 minutes et là, le robot se choisit un des gagnants d'entre vous. On y va.
Tac, c'est parti. Voilà. Donc là, normalement, il y a un message dans le chat qui devrait apparaître en vous disant... Voilà, donc Amazon.fr, donc là vous avez le lien du cadeau, à commencer, viewer, utiliser pour participer le mot, point d'exclamation, Geekou en majuscule. Et là normalement, en temps réel, bah, vous devriez voir votre nom. Alors, ne vous angoissez pas, vous n'êtes pas si nombreux que ça. Si je vois qu'au bout d'un moment, on essaiera de rafraîchir la page et de voir un peu tous les participants, s'il en manque un, pour être sûr que votre nom s'affiche. Le premier, attends, j'ai pas joué, merci à BZH. Attends, point d'exclamation. Geekou. Ah, je participe. Point d'exclamation Geekou. Première fois à RZH. Ok. Donc là, est-ce que j'ai participé? Attends. Ben, j'ai. C'est bon. Et comme ça, si je gagne. Alors, les règles du jeu. 1. Pour participer au jeu, il faut être inscrit sur Twitch, bien évidemment. 2. Il faut me follow, c'est gratuit. Et pendant encore les 3 minutes 58 qui restent, il faut mettre point d'exclamation Geekou. Et normalement, vous devez participer automatiquement au jeu. Pour l'instant, je vous fais un petit scroll de... Je vous fais un petit scroll de ceux qui ont déjà participé. Ici, voilà, comme ça, vous avez le temps de regarder. Ouh, là, vous êtes déjà 22. 22 sur 32 personnes en ligne, c'est pas mal, voilà, comme ça vous pouvez déjà participer, c'est pas encore fait. Alors, si vous gagnez le cadeau, enfin, deux solutions, c'est vous qui avez gagné. Un, vous en voulez pas, vous dites non mais ce cadeau moi j'en veux pas. Vous avez la possibilité de me dire, vous mettez commentaire, mettez GLG, désolé le cadeau j'en veux pas, et dans ce cas je le remettrai en jeu. Si vous le voulez, je vais mettre un commentaire, vous cliquerez sur mon pseudo, vous mettrez chuchoter, et là vous m'enverrez votre adresse email. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ouh, dis donc, ça participe. Bonne chance à tous. Merci d'encourager tout le monde. Bah, bonne chance à moi. Si je gagne, je peux m'acheter un truc. Non, bah, c'était déjà, en fait, le lot était déjà à gagner il y a 15 jours. Et celui qui a gagné m'a dit, ouais, mais bon, voilà, je te l'offre et tout. Et j'ai décidé de le remettre en jeu parce que je suis comme ça, voilà. Donc, on remercie Amazon pour leur soutien pour ce bon d'achat. C'est peut-être que 10 balles, mais bon, 10 balles par 10 balles, voilà. Vous trouverez le lien directement dans le chat si jamais vous voulez cliquer dessus pour voir comment ça marche. Si, par exemple, vous voulez offrir un bon d'achat à quelqu'un, c'est un peu le cadeau idéal. Alors, vous avez 5, 10, 15, 20, et après, vous pouvez mettre un montant personnalisé. C'est un peu le cadeau idéal, parce que si vous savez pas quoi offrir à quelqu'un, vous pouvez offrir un bon d'achat, bien évidemment, dire là, je t'offre un bon d'achat de 5, 10, 15, 20, en fonction de ton budget. Là, vous êtes sûr que la personne pourra acheter ce qu'elle veut, et surtout, elle pourra acheter sur Amazon. Et autant vous dire, sur Amazon, il y a tout. Il peut tout acheter. Il y a pas de... Les snacks d'ol, tout ça. Il peut tout acheter sur Amazon, il pourra tout trouver. Donc, c'est un peu le cadeau idéal. C'est pour ça que je suis content de vous l'offrir. Et plaisir d'offrir, je viens de recevoir. Donc, tu vas recevoir. Non, tu vas... tu dis merci. Voilà, tu dis merci, tu dis Geekou, tu dis... Tu fais le truc, tu fais le jeu. Voilà. Et moi, après, voilà. Après, j'ai juste à finir les entrées, choisir un... Piquer un winner, et puis c'est tout. Ça se passe automatiquement. Votre nom du gagnant s'affiche dans le chat et tout. Trop bien. Ça va trop bien se passer, cette histoire. Alors, Maïnou, Dassi, Bacfredo, vous êtes combien en ligne? 37. On a fait plus, hein, il y a 15 jours, on était 48. Hein. Il y en a plein qui ont oublié. Tous les mecs sur GLG Vidéo qui vont regarder le replay demain, ils vont dire, ah putain, j'ai oublié, j'aurais dû passer, c'était trop simple. Mais bon, là, ça, vous verrez que c'est pas très compliqué pour participer. Il n'y a pas de restrictions, autre chose comme ça. Voilà, y a pas mal de jeux, là. Voilà. Merci à BZH, encore une fois, pour les diamants. Ça c'est bon, il est ici, je regarde et tout, une tombola, donc là, le Streamlab, le robot, vous rappelle ça tous les 20 commentaires, comme quoi vous pouvez gagner, Sébastien Paulet, t'as oublié le point d'exclamation, non, toi, rôle souci, c'est point d'exclamation Geekou, c'est pas deux points, c'est pas arrobas, c'est point d'exclamation Geekou, sinon vous participez pas les gars. Recopier, il n'y a qu'à recopier ce que les mecs ils ont marqué, hein, pas besoin d'être, ou alors c'est la blague et puis vous le faites plein, mais bon voilà quoi. Streamlab, donc Rolls, c'est bon, ok. Tu as oublié le point d'exclamation. Bah oui, c'est ça, oui. Alex, allons, allons, Alex, un peu de sérieux, c'est dimanche. Là, t'es pour le boulot. Voilà, et ta femme qui te surveille derrière, et tu te dis, putain, il faut vite que je fasse ça en douce. Donc Sébastien a bien reçu un ticket, ça c'est bon, ok, je regarde. Bah non, je peux rafraîchir ici en même temps. Goldorak, Hervé, Big Flow, Paulet, Big. Voilà, ok. Bug, c'est bon. Buggy nous. Voilà. Le plus important, c'est que Bug, il est son ticket. Hein, et Alex aussi. Voilà, comme... et Shadow. Voilà, parce que je les connais pour de vrai. Voilà, tant qu'à faire, autant vous dire que voilà, c'est vous que ça fonctionne. Ça marche pas pour moi, je crois. Bah écoute, parce que t'es mauvais. Refais point d'exclamation. Point d'exclamation, Geekou. Greg, super ce jeu. Ah, ça y est. Mais oui, il suffit que tu dises, ça marche pas pour moi. Ah bah c'est fini.
fini le jeu. Ah, bah c'était bien, c'était rapide quand même, on est d'accord, hein, ça n'a pas pris non plus un effort incroyable. Alors oui, Shadow m'a proposé de faire des jeux et tout comme ça, et puis voilà quoi. Donc Goldorak, bah bienvenue, et bah, ça va mon pote. Alors vous pouvez mettre votre message en gras. Alors, je sais pas comment on fait, je crois que vous pouvez utiliser des points que vous gagnez quand vous regardez mes lives et tout, vous pouvez mettre vos messages en gras, et c'est pas mal parce que ça permet vraiment de mettre les messages en avant, ça je suis sûr de pas les louper. Ça arrive très 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 rarement, mais voilà. Acharné. Eh non, tu vois, et t'as mal commencé, t'as pas mis point d'exclamation. Tu vois comme quoi, la blague était presque bonne, Nico, mais il fallait commencer par un point d'exclamation. Vous ne pouvez plus participer à la tombola. C'est fini. Première fois de jaune d'œuf. Oh, jaune d'œuf, t'arrives après la bataille du premier jeu. Bon, il t'en reste deux. C'est bah, déjà une bonne chose. Allez, hop, c'est parti, on va se faire tirer. Ah oui, c'est bon ça. Bonjour. J'étais triste pour le chat. Bah écoute, ouais, bah bon, autant que moi, hein. Je pense qu'autant que moi, après, c'est vraiment le problème, c'est d'être confronté à. Bah voilà, c'est le problème, c'est que le chat était. En plus, c'est mis sur mon scooter, la bouche ouverte et tout, c'est tout raide. Le prendre, le mettre dans un sac, trouver un carton de la bonne taille, le mettre dedans, tu sais. Tu prends, tu dis, oh, imagine d'un coup, il se réveille et tout. Enfin, c'est vraiment confronté à la mort, comme ça et tout. Voilà. Mais bon, après, c'est la vie, hein, encore une fois. Enfin, je l'ai dit depuis le début, il était quand même assez malade. Quand je l'ai pris, on l'a bien. Comme Dr. House, ils ont essayé un par un. Mais bon, sur la fin, pauvre chat, il avait tellement de problèmes que c'était pas facile. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On tire les reines? On tire le roi? On tire le roi. Alors, comment on fait? Pick winner. On fait comme ça? Resume entry, ok. Pick winner. On tire. Tiens, on tire le roi. Allez, le gagnant c'est. Ah, il va être content. Goldorak. Pour moi, c'est Goldorak 08 qui a gagné. Donc, je mets Goldorak 08 pour le bon Amazon. Comme ça, voilà. En théorie, mon pseudo arrive. Tu normalement, t'as juste. Regarde, si tu fais comme moi, tu cliques sur mon pseudo ici. Putain, je peux pas y arriver. Qui est Polio? Voilà, tu cliques sur mon pseudo et normalement tu peux mettre chuchoter. Tu peux chuchoter, regarde, moi je mets comme ça. Ici, là, tu vois, je peux mettre chuchoter, tu chuchotes. Si tu veux le cadeau, par exemple, bah, tu dis, tu m'envoies ton adresse email, c'est déjà une bonne chose. Et si tu veux pas le cadeau, par exemple, tu me dis Greg, je veux pas le cadeau. Et dans ce cas, on le remettra en jeu. Voilà, c'est aussi. Merci à Goldorak pour les diamants, bien évidemment. Alors, hein, bravo. Zut, et tant mieux pour lui. Hier, j'ai pensé à toi, Greg. J'ai regardé Les Éternels, le film. C'est exactement ça. Bravo le Goldorak. Merci à Goldorak pour les diamants. Donc, voilà. Soit tu veux, si tu veux pas l'eau, tu me dis je veux pas l'eau. Tu veux l'eau, dans ce cas, tu me fais, tu chuchotes et tu m'envoies directement ton adresse email. Bravo, bravo à Goldo. bravo à Goldo. Voilà, merci beaucoup. Il ne veut pas. Tu réponds à sa place. Je sais pas, peut-être pas. Hein. Faudra attendre qu'il nous réponde et il nous dira. Oui, je veux. Ok. Donc je note. 10 euros. Goldorak. Donc tu cliques sur mon pseudo, tu mets chuchoter et tu m'envoies ton adresse email. Ça suffit. Juste ton adresse email. Voilà. Pas un spam et tout, parce qu'ils vont t'envoyer le bon d'achat sur ton adresse email. Voilà, ça ferait quand même, ça serait quand même un petit peu dommage que bah, que tu ne le reçu pas. Voilà. Bon, si on revient, prochain giveaway, c'est quoi? Pourquoi ça marche plus? Ah oui, il faut peut-être que je fasse un truc complète. Voilà, ça c'est bon. Tac, voilà, custom. Le prochain, on fait quoi? Batterie Veger. Allez, batterie Veger, qu'est-ce qu'on fait? Tac, non, c'est pas celle-là, c'est celui-là. Battery Veger, alors c'est une nouvelle batterie, enfin, c'est une marque qui fait de la batterie externe, qui est une nouvelle marque. En fait, s'il y en a qui ont déjà vu ma review, c'est une batterie externe de 10 000 mAh. Bon, jusque là, rien d'exceptionnel, comme tout le monde voudrait, hein, une batterie externe de 10 000 mAh avec deux prises USB Power Delivery, mais bon, donc ça veut dire que ça délivre au moins 20 watts, et une prise USB type C. Ça c'est classique, toi, c'est une batterie externe, 10 000 mAh, un petit bouton à l'avant, tu vois, hop, tu vois un petit peu le batterie qui te reste. Une petite dragonne pour l'emmener avec toi pour tes vacances ou dans ton petit sac à main. Quand tu enlèves la dragonne, comme tu es trop malin, tu te rends compte qu'en fait, c'est un câble USB type C, de USB type C. Donc comme ça, tu veux recharger ton téléphone, tu plugues USB type C, tu plugues sur ton téléphone, bim, t'as le chargeur. Ça, c'est trop bien, voilà. Et ils ont fait un système 2 en 1. Alors soit on dit, c'est une batterie externe qui intègre. Regarde,
un chargeur secteur, ça veut dire que tu veux recharger ta batterie externe, tu plugs directement sur le mur et ça recharge la batterie externe, ou alors tu te dis non, en fait c'est plutôt un chargeur mural, donc tu plugs dessus, tu recharges tes téléphones, et en même temps ça recharge la batterie externe, ça veut dire quand tu l'enlèveras de ton mur, pas avec, avec une batterie externe. Voilà, c'est la marque Veger. Alors le produit sort au mois de février, donc nous on l'a eu quand même bien avant tout le monde pour vous faire une petite review qui fait plaisir, bien évidemment. Et la marque a décidé de vous en offrir 5 en plus, comme ça. Donc c'est eux qui vous les envoient. C'est pas moi, c'est ma batterie à moi. Je la garde parce que je suis comme ça, je l'adore et qu'elle est à moi et que je m'en sers régulièrement. Donc c'est ma batterie. Voilà, donc tu toucheras pas. Voilà, il y a mon odeur dessus, même si ça sent un peu la chinoise, tu vois. Ça sent un peu le GHG. Elle vous en offre quand même 5. Donc aujourd'hui, je vous en fais gagner une. Et on en fera gagner une tous les dimanches dans lequel on fera un live. Il y a une chose que Veger vous demanderait bien, c'est éventuellement, c'est de vous les follower sur Instagram ou sur Facebook. Voilà, vous allez sur... voilà, Shadow vous a mis dans les commentaires ici. Vous pouvez les follower directement sur Instagram, sur Facebook. Ça leur fera plaisir, encore une fois. Et ça les motivera à vous offrir encore plus de cadeaux puisqu'ils ont plein de batteries, plein de nouveautés, plein de produits comme ça. Ils pourraient nous envoyer pour review. Et moi, je pourrais vous en faire gagner. C'est-à-dire que là, vous êtes tranquille pendant 5 dimanches. Ça veut dire soit tous les 15 jours, soit dès qu'on atteint les 100 followers. Et voilà, c'est la batterie que je vous fais gagner. Encore une fois, celui qui gagnera... Il suffira de chuchoter à mon oreille son adresse. Nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, mais pour le transporteur. Et la marque vous enverra, enfin t'enverra la batterie au mois de février quand elle sera sortie. L'intérêt, puisque vous allez tous les suivre ardemment sur Facebook, sur Twitter, tu vas sur Facebook, sur Instagram, vous allez suivre un peu ça. Et puis dès que la batterie sera disponible, soit vous me refaites un mail en disant hey, je suis le gagnant de la batterie, ça y est, elle est disponible, relance-les. Parce que bon, je ne sais pas qu'ils vont vous oublier, mais bon, après, voilà, tous les 15 jours, on les relancera avec les gagnants et tout. Mais voilà, l'intérêt, essayer de jouer le jeu un petit peu, de les follower un petit peu, c'est pas grand-chose. C'est une jolie petite marque en plus, c'est un joli petit produit. J'ai pas encore le prix. Donc malheureusement, comme la batterie sort que au mois de février, je peux pas encore vous donner le prix du cadeau. Mais, d'après mes estimations, c'est au moins 30 ou 40 balles quand même. Hein, parce qu'une petite batterie externe 10 000, voilà, on en trouve à 10-20 balles quand c'est la bonne qualité. Mais des chargeurs secteur 20 watts polydévery aussi, là les deux en un, je pense qu'ils pourraient au moins la vendre 40 balles. Voilà, et puis bah 40 balles ou gratuit. Moi je pense que tu peux faire gratuit. Donc, joli petit produit que la marque Veger vous offre aujourd'hui. Voilà, donc il y en a un aujourd'hui, il y en aura dans 15 jours ou la semaine prochaine, et etc. etc. Donc, encore une fois, followez-les, ils seront contents. Sur Instagram et sur Facebook, et comme je vous dis, certainement quand les 5 seront offertes, ils vont certainement en remettre sur le tapis. Ça me paraît un peu évident parce que la meuf, franchement, elle est, je peux dire qu'elle est chaude. Je sais pas, mais elle est très sympathique, et pour eux, c'est du marketing de fou de vous offrir beaucoup de produits comme ça et que la marque soit présente à chaque fois pendant tous les lives et tout. Truc de dingue. Truc de dingue. Voilà. Bon, alors, GG, je vous déclare mari. Qu'est-ce que... Je sais pas, je le veux, il ne veut pas. D'accord, ok. Deux prises PC. Deux prises PD. Non, c'est deux prises PD, monsieur. Power Delivery. C'est pas ma faute. En plus, regardez, elles sont bien parce qu'elles sont bleues. Donc ça prouve bien que c'est les 3.0 et qu'elles sont Power Delivery. J'ai revu la... Oui, elle est sympa. Non, elle est sympa. Elle est très bien, cette batterie. Moi, j'aime bien, voilà, comme je vous ai dit, j'aime bien le concept parce que c'est toujours quand on part, toi, au début, soit on part et on prend que le câble, mais après, pour trouver un chargeur ou un plug, surtout en USB type C, c'est la misère, même en USB, tu vois, il n'y a pas toujours où ça ne charge pas souvent. Déjà, à McDonald's, maintenant, il y a des prises, il y a des prises USB, mais leur prise USB, elle ne charge que dalle. Il y a 5 watts, il y a 5 watts dans le truc. C'est plus lent que lent, quoi, tu sais. Donc là, au moins, tu plugs sur le 220, tu as directement la puissance maximum où tu peux recharger ton téléphone avec le câble en plugant dessus et recharger la batterie en même temps. Deux en un, comme le shampoing. Moi aussi, j'ai vu la review sympa. Merci. Elle a l'air cool, cette pauvre. Elle est très, très bien. Je suis extrêmement content de vous l'offrir. Ça y est, t'as follow. Merci à Hervé d'avoir follow, de les avoir follow. C'est quoi leur Insta? C'est marqué en haut dans les commentaires, comme ça. Merci pour les diamants de Shadow. Il faut que je dois aller où pour chuchoter? Alors, tu attends que tu sois gagnant et tu cliques sur mon pseudo. Quand je mettrai un commentaire en mettant le gagnant, eh ben, tu me cliques sur mon pseudo et là, tu pourras chuchoter avec moi. Comme moi, tu vois, regarde, par exemple, moi, regarde, je vois ton pseudo, là, si tu regardes le chat, je clique dessus et j'ai ajouté un ami, chuchoter, offrir un abonnement.
Si vous pouvez offrir des abonnements aux autres et tout, enfin, vous pouvez faire plein de trucs. Alors après, faites ce que vous voulez. Des diamants, des chuchotements, des Tipeee. Je ne vous force à rien, moi. Le seul truc que je vous demanderais, c'est juste de les follow sur Instagram et sur Facebook. Parce que moi, ce que j'aimerais bien, c'est que demain, leur donner le nom du gagnant. Alors, ils vont dire, oui, mais on ne gagne pas avant le mois de février. Ok. Mais de leur dire, regardez, ils vous ont follow. Et elle va me dire, ah ouais, on a regardé, on a une petite pointe dimanche et tout de followers. Donc elle va être trop contente. Et moi, je serai contente. Et vous, vous serez content. Et quand vous allez encore gagner plein de trucs, vous serez contente aussi. Voilà, ça c'est bon. T'as les liens plus haut, donc ça c'est bon. En haut à droite sur utilisateur chat, tu cliques sur GLG. Ça c'est bon aussi. Cliquez sur le pseudo GLG dans le chat pour chuchoter. J'ai followé Vega. Merci beaucoup à tous ceux qui jouent le jeu. Encore une fois, ils jouent le jeu, eux, de vous faire des cadeaux. Donc jouons le jeu de gagner des cadeaux. C'est quoi E-Word? Où c'est que t'as vu E-Word? Non, parce que c'est traduit automatiquement. À mon avis, vous avez dû lire des trucs. Trop tôt! Trop tôt. Fred, je t'ai chuchoté. Il m'a chuchoté. Oui, mais c'est moi qui voulais chuchoter. Bon, si je mettais une petite pub. Ah merde, je peux pas dans 2 minutes. Dommage. Bon, bah, on continue un peu. Ah, je voulais lancer le jeu, mais encore 2 minutes. Ah, c'est nul. Je voulais lancer une pub. Bah, je lancerai une pub après. Là, on lance le jeu pendant 5 minutes. Et puis, oh, ah, pendant le jeu, je peux vous mettre une pub. N'empêche pas. Bon, chargeur batterie Veger, si on lançait le jeu, bon, c'est pareil, hein, c'est le même mot de passe, hein, c'est-à-dire qu'on lance le jeu, et là, ça va commencer, il faudra mettre point d'exclamation, Guicourt majuscule, pour participer, et alors, on tire un au sort. Et on le... Oh, lui pèlera le jonc. Non, on fait pas ça. C'est parti. Allez, on clique dessus. C'est parti, 4 minutes 57. Voilà, c'est pas mal. Oui, oh, puis comme ça, dans 2 minutes, je vous mettrai un peu de pub. On fera les pieds. Ben, dis donc. Ben, je me suis dit, hé hey, trois petits cadeaux, trois petites pubs. Moi, ça me paraît propre comme petit deal. Bon, attends, il faut que je joue aussi. Attends, Guicou. Ah non, Guicou, il faut un U. T'as oublié. Merde, c'est pas ça. Alors attends. Non, c'est pas ça non plus. Putain, je vais pas y arriver. Putain, je vous me moque, mais je suis pas plus doué que vous. Guicou, nanana, ça c'est bon. GLG, c'était bon. GLG, il a joué. C'est pas que moi, en tant que merci à Crypto de me follower aujourd'hui. Bon, Crypto 63, t'arrives un peu à la bourre. Si maintenant que tu me follow, tu veux participer au jeu, il te suffit de copier point d'exclamation Geekou et non pas comme Bigbox mettre arrobase. C'est point d'exclamation Geekou, G-E-E-K-O-U, et tu participeras automatiquement à notre giveaway pour pouvoir gagner éventuellement cette batterie. Non, pas cette batterie là, la même batterie que ça, mais en neuve, avec la boîte et tout là. Et tu te dis, bien, si j'en ai 5 à vous faire gagner, ça veut dire dimanche là, dimanche prochain, dimanche après, dimanche et dimanche. Donc, t'as 5 fois plus de chance. Et mine de rien, pendant que je suis en train de dire des conneries, vous êtes quand même 38 en ligne. Bon, moins bien que la semaine dernière, quand même, hein, il y a 15 jours. Mais t'as quand même 3 chances sur 38 de gagner un truc, quoi. Alors, je vous fais défiler un peu les. Je peux mettre de la pub ou pas? 25 secondes. Pas encore. Pas encore. Je fais défiler les pseudos, ça vous pouvez regarder si votre pseudo il est dedans. Donc moi je défile. Bah GLG il est là, Mega Hervé, tout, c'est bon. Si Mega Hervé il est là, et moi aussi, c'est bon après les autres. Et Sébastien, bien évidemment, après les autres. Et Alex, bien évidemment. Bon, en gros, ça sert. Crypto qui vient d'arriver, évidemment. Zappy et Big Fox, ah, qui est enfin arrivé. Plaisir, mon ami. Alors, est-ce que je peux mettre un peu de pub? Allez, je vous mets une petite pub, ça vous fera les pieds. Et moi, ça me fera de l'argent surtout. Couille en or. Sans le slip. Sans le slip chauffant. Voilà. 57. Voilà. Comme ça, il y a un peu de pub. Ceux qui ne voient pas la pub, eh ben, je remets la page ici. Alors, une tombola, batterie externe. Alors, je vous ai mis le lien de la batterie externe et tout comme ça. Si vous voulez cliquer dessus, éventuellement pour les follow, vous allez en bas de la page. Il y a leur lien Facebook et leur lien Instagram. Je vais suivre si vous jouez le jeu. Et sinon, je leur dirais, ils ne vous envoient rien. Si vous les suivez pas, j'ai dit vous envoyez leur rien, ça leur fera les pieds. Non. Donc là, il y a du ticket. C'est bon, je viens de chuchoter. Merci pour ton chuchotage. Je verrai ça tout à l'heure. Non, je crois que je peux regarder sur mon téléphone. Ça évite d'ouvrir la page et tout. Twitch. Je ne sais pas comment ça marche. Alors, ça, c'est ma page. Ok. Ça, c'est bon. Et dans les messages, succès accompli. Donc ça doit pas être ça. Découverte, parcourir. Message. Ah, ça ressemble bien au message. Non, succès accompli. Non. Là. Alors.
Chuchotement. D'abord. Bellecoquine@gmail.com. Étrange comme pseudo. Mais bon, on respecte. On respecte. Goldorak, écoute, comme quoi tu caches bien ton jeu. De se marrer. Mais c'est pas ça, bien évidemment. Vous croyez quoi que je veux dire ton mail, hein. Lui doit se marrer parce qu'il dit mais c'est pas ça. Puis tout le monde doit dire ah ben dis donc. Pas du tout. C'est fini la pub ou pas? Oui c'est bon. Voilà, le chuchotement est validé. C'est validé. Bon, je regarde un peu les. Combien vous êtes? 28 d'avoir participé. C'est étonnant, sur que 41 spectateurs, il n'y en a que 28 qui jouent. C'est étonnant ça. C'est étonnant. Vous ne participez qu'une fois. Alors après, dans un temps futur, il y aura possibilité de vous faire participer de qu'il y ait deux tickets, ou que les abonnés aient plus de tickets que les followers et tout. Mais pour l'instant, voilà. Même Shadow, il voulait faire un jeu pour ceux qui mettent des commentaires. Mais pour l'instant, on fait simple. On fait simple parce qu'on voit qu'il y a la moitié qui n'y arrive pas. Il y a déjà une vingtaine qui joue pas déjà. Il y a déjà une vingtaine qui joue pas. Et sur les vingtaines, il y a une dizaine qui ne savent même pas qu'on n'a pas compris. Voilà. Donc je vous rappelle, si vous me followez sur pour participer à notre tombola, là c'est la deuxième, il vous suffit de copier point d'exclamation, Geekou en majuscule, et là, bah forcément, voilà, vous pouvez participer automatiquement. Vous avez vu, c'est même pas moi qui fais, c'est tout automatique. Comme ça, vous pouvez dire riche, mais j'ai gagné copain, copain. Hein. J'aurais bien aimé, mais je sais pas comment faire. Bon, en mode cuisine, jambonneau, bière brune et sirop d'érable. Pas mal. Pume Samsung S21. Ah, ben ça fait deux fois qu'on voit une pume Samsung. Pourrais-tu faire un jour une review en direct, genre téléachat? Trop dur à faire? Non, 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 non. Bah, on verra ça avec les sex dolls mercredi. Mercredi. Ah, je pense que là je pense ouais, que c'est un bon sujet quand même. Je pense que c'est un bon sujet. Je pense que c'est un bon sujet. Ça va ramener un peu de monde. Mercredi à 16h. Donc mercredi à 16h, on fait un live sur les sex dolls. Et vous allez voir, les images, c'est propre quand même. Et je peux voir les prix. Moi, je peux voir tout. Ouais, comme ça, il n'y aura pas de secret. Je peux voir le site, je peux voir le PDF qu'ils m'ont envoyé avec les prix et tout. On ouvrira ça dans les explorateurs, là. On verrait combien ça coûte, combien on pourrait les revendre et tout. Les modèles qu'il y a, les tailles, tout. Voilà. Et le but, ça sera le premier qui commande m'envoie une photo. Bon, le giveaway, c'est fini. T'as vu, t'as flippé, hein? T'as flippé parce que le problème, c'est que pendant que j'étais en train de lire, ton email, j'étais en train de chercher ma connerie. Et j'ai sorti le premier truc qui m'est venu comme ça. Et je me suis dit, ça va le faire marrer. Voilà. Bon, et pour le téléachat, ouais, on va y arriver. On n'aurait pas cru ça de Goldo. Ah, mais il cache bien son jeu. Ah, sur Twitch, c'est Goldo. Puis, mais. Dans la vie privée, c'est qui aurait une moustache, hein, attention. Ah mais c'est ça Internet, vivons heureux, vivons cachés, derrière son clavier, on est qui on veut. Ou le héros qu'on veut, par exemple. Geekou, donc là c'est validé, hein. Goldorak, ok, ça c'est bon, et Jaune d'œuf. Donc vous êtes 30 à avoir participé, sur 39. Pas mal, c'est bien. Ça c'est bon, les tickets, ok, ça c'est bon, je t'ai expliqué sur Line pour avant. Ok, pour avant. Ah, c'était à moi que tu parles? D'accord. Ok. Mercredi 16h. Tu fais plus de live AliExpress. Alors, concernant les live AliExpress, alors, un, la meuf avec qui je bossais est partie. Deux, j'étais recontacté par celui qui l'a remplacé, forcément. Encore un lit, tu sais, il s'appelle tous lit, L-I, machin lit. Il m'a recontacté sur AliExpress en me demandant quels étaient mes tarifs et quelles étaient mes conditions. Et comme je leur ai dit, mes tarifs, bon, c'est les mêmes qu'avant. Donc avant, ça allait bien, donc il n'y a pas de raison que ça change. Par contre, au niveau des produits, je prends rien qui vaut moins de 300 balles. Bah, pour faire simple, je prends. Oh, à moins, bah, j'ai même dans les téléphones, on marque même un Poco. En plus, elle me donnerait un Poco F, je ne sais pas combien, là, à 200 balles, je le prendrais. Je dis soit un smartphone, soit un produit qui vaut 300 balles, puisque. On est vite tombé dans l'engrenage des produits Amazon où il fallait tester que des petits produits de merde, quoi. C'est-à-dire que des produits qui valent 5-10 pour un panier de produits qui excédait jamais les 50 balles. Alors, c'est sympa de faire un live, parce que moi, ils me payent à chaque fois. Mais moi, ce que, après, il faut que j'ai en plus je la relais sur GLG Review.
mais d'avoir des produits sympas. Alors quand j'ai pu les choisir, j'ai pu choisir les micros, j'ai pu choisir les coques, j'ai pu choisir les produits Oulanzi et tout, j'ai pu, dans une gamme de prix comme ça, choisir des produits qui me plaisaient. Mais après, le reste, tout ce qu'ils m'ont envoyé, c'est vraiment les bas trucs, des marques complètement bidons et des produits, tu sais, genre des petits claviers de couleur, machin et tout. Enfin, après, c'était que des produits où bah, il faut que moi, je veux kiffer les produits. Alors, soit c'est 5 produits pas chers, mais que je kiffe grave, comme les montres Smile et tout. Et là, je me suis dit, ah, franchement, les montres sont sympas, ils sont pas chers. Soit après, c'est des produits qui n'ont aucune valeur. Et c'est vraiment le but de faire de la review pour faire de la review parce qu'on fait des vues et qu'on a un peu d'audience. Mais voilà, après, les produits n'ont aucune valeur. Et le... enfin, voilà, après, enfin, les produits ne me plaisaient pas. Voilà, après, ils m'auraient proposé 5 produits qui me plaisaient bien, comme on a vu avec les Doc Ulanzi ou même les micros, tous les micros Boya et tout. Il y avait des produits sympas, mais après voilà, il faut que les produits me plaisent, et tant qu'ils me proposeront pas soit des produits qui ont de la valeur et qui me plaisent, soit... Par contre, j'ai confirmation, j'ai une marque qui veut m'envoyer des espèces de mini PC là, c'est tout nouveau là, ils viennent de finir simplement avec du i5 dedans et des trucs pas mal. Elle m'a écrit, ça y est, ils sont prêts, on vous l'envoie. Ouh, alléluia. Et Synco, la marque qui faisait des micros sans fil que je vous avais testé aussi, ils ont un nouveau modèle de Synco qui est enfin disponible, parce que bah, je pense que tout le monde a des problèmes de pénurie. Ils sont enfin disponibles, là, me l'a envoyé par FedEx, donc je devrais le recevoir mardi ou mercredi, donc vous l'aurez seulement dans la vidéo de samedi où je vous présente tous les produits. Mais ça y est, les stocks commencent un peu à bouger, les marques commencent à avoir les produits, donc tous ceux qui m'avaient promis des produits, mais qu'on ne les a pas vus arriver, eh ben commencent à sortir les doigts du sur le tutu, chapeau pointu. Tombe à la Hersegdol. C'est ça. Non, mais. Non, bon, on va faire une tombola parce que je ne vais pas vous le faire gagner. $300. Sûr qu'il vous en offre une. Mais voilà, après, c'était intéressant de dire. On voulait. Faudrait trouver un titre, un truc un peu. Il voulait que je vous vende une sex doll ou choisissez la sex doll qui vous plaît le plus. Faut que je trouve un truc un peu pitaclic en disant que c'était pas trop dans le genre qu'il voulait que je vous propose, que je les propose en review ou à la vente. Mais voilà, je suis pas vraiment curieux. C'est pour la cire, d'accord. Tu nous fais trop marre. Eh ben écoute, avec plaisir, mon pote. Hein. You talking to. Les mini PC, j'ai aussi à devoir. Ouais, c'est ça, moi je suis assez intéressé. C'est vraiment les nouveaux. Quand j'ai vu ça, c'est pas du Shui machin avec du Intel, tu sais, genre Intel qui rame avec le 4500, des choses comme ça. Tu vois, c'est vraiment nouveau avec du i5 et tout. Ça avait l'air pas mal. Ouais. C'est vraiment une nouvelle génération et tout. Et comme c'est. Alors, je sais pas si c'est un projet Indiegogo ou s'ils le vendent directement, mais pas mal. Et ah oui, putain, j'ai une marque là qui. La meuf qui travaillait chez Oukitel. Est parti évidemment, travaille maintenant pour une marque qui fait des projets Indiegogo sur des haut-parleurs haut de gamme. Ils ont un petit haut-parleur en forme de cône, mais vraiment en forme de cône, c'est rond comme ça, avec le Twitter en haut, le grave médium. $500 le projet Indiegogo, et elle va me l'envoyer. Alors, ça sera évidemment cela gratuit en échange d'une review parce que le produit me fait un peu kiffer quand même, et ils ont pas trop de thunes. Mais voilà, ça va être un projet Indiegogo, donc on l'aura en premier, en même temps que le lancement Indiegogo, un petit haut-parleur haut de gamme et tout. J'ai attention, hein. J'ai moi, je veux bien 500 balles, c'est trop bien, mais si le truc ça sonne de merde, je vous le dirai. Hein. Ça me dit, oh, d'après vous, combien ça vaut? Je dis, bah, si c'est de la merde, ça vaut 100 balles. Si c'est bien, ça peut valoir jusqu'à 500 ou 1000 balles, quoi. Ça toujours dépend de ce qu'ils ont mis dedans, quoi. Donc, pareil, c'est confirmé, va me l'envoyer. Ça fait plaisir. Par contre, un live sur les idoles, pas sûr que Twitch appréciera. Non, mais après, vous allez voir que elles sont pas trop... elles sont habillées, hein, les meufs, hein, dans les photos et tout. Juste qu'on voit que... En fait, les photos qu'ils ont dans le catalogue, c'est plutôt des photos cartoon. Toi, c'est plutôt des meufs en petite lingerie. On voit pas leur partie intime, hein, on voit pas comment ça fonctionne. on voit pas les mystères et les secrets. Voilà. On ne s'ennuie pas avec GLG. Merci beaucoup. Une enceinte de la marque... Ok, Rolls, tu pourrais nous montrer les objets de décoration, genre l'aube de lévitation magnétique pour varier. Mais comment sont les dolls? Ouais, je sens que. Oui, on met pas sex doll, on met dolls. Ils m'ont proposé de vous vendre des dolls. Ouais, ouais, des dolls directement depuis la Chine. Un revendeur, un grossiste m'a proposé de revendre des dolls. Voilà, tu sais, un truc un peu comme ça. Comme ça, on met pas sex dolls, on met juste dolls dans le titre. Et puis après, vous verrez que dans les photos, et s'il y en a, je les flouterai, mais en théorie. Bon, si on tirait le gagnant. Allez, vous l'attendez. Bon, donc ça passe. Voilà, c'est ça. Ouais, non, c'est. Non, attends, quand même, je suis pas non plus fou de. Hein? Pas montrer qui t'a montré mes nichons, montrer les miens. Hein. Bon, allez, tirons le gagnant. Le gagnant est
ça marche pas. C'est moi qui ai gagné. Je suis désolé, j'ai pas joué pour gagner, hein. J'ai pas joué pour gagner. Bon, on va la remettre en jeu. Je vous la remets en jeu, je suis désolé. Bon, on la remet en jeu. J'ai beaucoup parlé. Là, on met en jeu et on fait le tirage au sort. Je vous remets la batterie. Je vous remets la batterie en jeu. Non, j'offre à personne. Je la remets en jeu. Et je joue pas. Genre, mais non, je peux pas gagner deux fois. Allez, on remet en jeu. Vous mettez point d'exclamation. Guico. Non, je rejoue. Je rejoue. Normalement, je pense pas que le logiciel puisse vous faire gagner deux coups. Merde, non, bah Guico avec un U. On la remet en jeu. Je rejoue. Normalement, je pense pas qu'on puisse gagner deux fois. Le mec qui a pas. Il vous fait patienter pendant une heure et demie. Et puis à la fin, 4 minutes pour la pub. Ouais, il en reste encore un peu de temps. Bon, allez. Je suis désolé. Après, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Après, j'en dis, hey, la garde pour moi. Non, je l'ai déjà, moi. Je suis pas dans le mois de février, je l'ai déjà. Aïe. Et alors, pour répondre aux dernières questions que j'ai vues, non, la doll, ce n'est pas Bluetooth ni rien. C'est vraiment passive, quoi. Dans tous les sens du terme. Et flexible. Et souple. Voilà. C'est passive et souple. Qui apparemment, elle est en... Mais c'est un beau bébé, je crois. J'ai regardé les poids et tout. Enfin, c'est un beau morceau, quoi. C'est plus lourd qu'une vraie, apparemment. Parce qu'une petite grignette comme ça, ça fait 40 kilos. Après, je sais pas combien elle fait, le truc. Mais c'est pas... C'est vraiment du beau matos. Elle est bien équipée. En plus, vous allez voir. Même... Après, bon, vous allez voir. On verra ça mercredi dans le live. Mais on voit que les photos, c'est les photos, à mon avis, de manga qu'ils ont repris, toi, un peu. Je suis pas sûr que la. Enfin, peut-être ils se sont inspirés des photos qu'ils ont trouvées sur Internet, des mangas, des choses comme ça, mais il y a forte chance que quand elle arrive. dis non, c'est Michel avec des cheveux longs. Non, mais tu vois, qu'elle ne soit pas aussi pulpeuse, voluptueuse que les photos qu'on voit des modèles à choisir, quoi. Après. On sait pas. Le premier qui commande me dira. On verra. J'essaierai de vous fourguer ça mercredi. Non, je vous donnerai le nom du site. Vous allez voir, ils ont un site web. Vous irez. Vous faites votre vie. Si vous les achetez, les revendre, vous lancez dans le business, en commander une pour vous. Vous faites votre vie. Après, moi, je fais juste un live mercredi parce que ça va être drôle. T'as vu ça? Mets-moi le modo. Je gagne jamais. Alors que je. Ben ouais, mais c'est tout. C'est moi qui ai gagné. C'est bien. C'est bien que le truc, il est quand même un peu. Merci à BZH pour les diamants. Ça fait plaisir. Nous vend bien le truc avec ses dolls, ça donne envie, hein. Ah mais je pense que après je mettrai, ouais, on mettra là le live mercredi risque de, on mettra sur JT Geek et certainement après on la repostera le lendemain sur GLG vidéo et tout. Je pense que voilà, la vidéo va marcher un peu, ce qui ferait aussi, enfin j'ai vu ça parce que j'ai regardé le live de la team Canette de Manuel, celui qui m'a followé samedi, qui m'a retweeté, parce que la vidéo a fait 800 vues quand même, hein, de samedi, donc il m'a, à la fin, il a dit, voilà, je vais aller voir BelGG, il a que 26 viewers, et donc du coup, pas mal de sa communauté sont venus, et on a fait un pic de 100, on était 160 en ligne, je crois. Et la vidéo a pris 800 vues, enfin voilà, c'était quand même pas mal. Mais voilà, il faut attirer un peu de monde avec des sujets un peu... Le mercredi, voilà, le mercredi, c'est les sujets un peu clash. La vidéo a bien marché avec ces youtubeurs qui arnaquent les marques, qui est disponible en replay. Si vous ne l'avez pas vu sur Twitch, elle est disponible en replay sur ma chaîne YouTube, qui s'appelle GLG Vidéo. Hein, GLG et vidéo, normal. Et le samedi, on fera les produits, comme ça vous pourrez me poser des questions sur les reviews qu'on a fait la semaine, s'il y a des trucs que vous voulez plus d'explications, et les produits que j'ai reçus dans la semaine. Et comme ça, bah voilà, le mercredi, on a des titres bien... Il faut bitch to click un peu, tu vois, ou dolls to click, comme tu veux. Greg, c'est Monsieur Robot. Ouais, bah, c'est pas ma faute, hein. Vivement mercredi. C'est parce que tu te chues. Tu te chues. 147. Non, 160. J'ai regardé dans les stats. C'était, on a fait un pic à 160. C'est marqué. Dans les stats, pic 160. Le pic spectateur. Attends, je peux te faire voir. Là, regarde, si je prends le live, analyse. Stats de la chaîne. Je sais pas ce que j'ai vu. Là, c'est combien je gagne. Donc, je gagne 50 balles. Hein. Vous voulez savoir. Abonnement. Nouveau abonnement. Je sais pas si j'ai vu ça. Enfin, il y a un pic. On a fait 100. Je sais plus où. Détail. Je sais pas si j'ai vu ça.
m'en peux plus. Un peu plus. Un peu plus. Alors, j'ai vu un truc qui avait marqué 100, 160. Il y a un endroit dans mes stats là, j'ai vu. Spectateurs en moyenne. 51. Alors, c'est la moyenne. Et où est-ce que j'ai vu Twitch, chaîne, direct. Bon, il y a un endroit où je, voilà, c'est marqué, il y avait marqué 160. Voilà. Pic de vue 160. Bon, combien il te reste 10 secondes. Et de la pub, combien de temps il vous reste pour de la pub? Ah, ouais, merci pour le... Merci pour le Tipeee qui vient de tomber. Alors, attends. Un rapport entre la boîte qui veut faire vendre des dolls et le raid de Manuel. Je me demande. Mais en plus, c'était samedi, j'ai fait une blague où je disais, ouais, c'est un problème de karma. Et je dis, c'est pas un problème de karma sutra. C'était une petite blague qui était arrivée comme ça. Et quasiment à ce moment-là, après, je dis, bon, c'est le moment où on va mettre de la pub. On met de la pub et juste là, il me raid. Oh oui, il me raid. Pas un acteur porno. Non, mais voilà. Et là, explosion. On a eu plein d'abonnés, de followers. C'est la fête. Bon, allez, on rejoue le gagnant. Oh putain, mais c'est incroyable. J'ai encore gagné. Oh putain, c'est nul. Bon, je joue pas. Ce coup-là, je joue pas. Je suis désolé. Hein. Je sais pas pourquoi. Bon, batterie Vega. Voilà. Je la relance. Bon, on la relance. Putain, bon. Non, mais c'est, vous demanderez à Shadow pourquoi ça marche pas le truc. Je vous mets une petite pub, ça vous fera les pieds. Putain, mais ça devrait durer une heure. Hein. Vas-y, je me lancerai. On va peut-être durer une heure. Ça va encore durer une heure et demie là, cette histoire. Point d'exclamation, Geekou en majuscule, c'est parti. Bah, je rejoue quand même. Non, mais je rejoue plus. C'est dingue ça de gagner deux fois. Comment t'expliques ça, Shadow? Parce que je veux dire, après les mecs ils vont croire que je triche même pas. Je sais même pas qu'on peut tricher ou non, parce que on peut faire une distinction entre les mecs qui follow et les mecs qui s'abonnent. Après, il y a possibilité que ceux qui s'abonnent de racheter des tickets en plus, toi, avec leur argent, mais pas plus, quoi. On peut gagner plusieurs fois. Ah mais c'est, j'ai de la chance en ce moment. Je vais aller m'acheter un gratto gratte après. Ah non, il est 22h. Chez moi, il est 23h. J'ai un gratto gratte, c'est un gratto gratte, quoi. T'es un DD. Je suis pas DD. Bon. Alors là, ça joue bien. Heureusement que j'ai mis que 5 minutes. T'imagines si à chaque fois on mettait des giveaways de 30 minutes. Oh, ça serait fou. Hein. Alors, à raison de 3 jets des parlots, on devrait terminer 10 ou 80. Non mais j'arrête de jouer. Non mais j'arrête de jouer. Après c'est peut-être il y a non peut-être il y a un bug dans la matrice où ils disent ouais si le mais non mais j'ai jamais gagné. J'ai joué à tous les jeux avant, j'ai jamais gagné. Je vois pas pourquoi je gagne deux fois d'affilée là. Aïe 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 aïe. Putain, qui est d'histoire, hein, qui est d'histoire les enfants. Putain, on va pas y arriver. C'est con ce jeu. 27. Allez. Bah comme ça ça laisse un peu de chance à ceux qui avaient oublié de participer quoi. Voilà. Une tombola, une batterie externe avec... Alors ça c'est bon, c'est Streamlab et tout. C'est dingue. Merci. Ah, vous êtes... Non, vous êtes bien, de nombreux à participer là, ça avant que ça. Et Goldorak. Et Goldorak, si tu gagnes, tu le remets, tu prends pas. Ou alors tu choisis soit le bon d'achat, soit la batterie. Hein, pour par équité. Comme c'est le truc qui va partir en couille là. Après tu me dis, au pire tu me dis, oh je préfère la batterie que le bon d'achat, on remet le bon d'achat en jeu. Il peut le faire. On n'en sortira jamais. Et la caméra. Non, mais bah après, on fait la caméra après. Pire. Tu n'avais pas une Jeanne, vu ta chance au tirage. Bah, je vais m'y mettre. Ouais. Écoute, soit c'est une Jeanne, soit c'est une Dolce. Comme c'est parti là, j'ai plus de chances d'avoir une Dolce qu'une Jeanne. Ou alors, j'ai une Dolce que j'appellerais Jeanne. Ça serait rigolo. Je la mettrais là, là, avec moi. Je dis, voilà. Tu t'en penses quoi? Si je vois. Je mettrai un doigt dans le huc, puis ça lui fera bouger la bouche comme ça, tu sais, comme, un, comme une marionnette. Oh, oh oui, je suis là. Oh oui, oh, faites gagner une caméra IP. Voilà. Non, fais pas ça. Non, cette blague sera coupée au montage. On n'a pas le droit de. Je veux la batterie. Tu veux la batterie? Tu préfères la batterie ou le coupon, Goldorak? Désactive le mode triche.
Le mode escroc du jour. Attends, déjà, la semaine dernière, il y a 15 jours, on avait déjà du mal à le régler, alors t'imagines. Ah oui, une assistante, enfin. Oui, c'est vrai, c'est ça. J'imagine, oh, mais comme une marionnette, tu sais. Ça se trouve, il y a un endroit, peut-être qu'il y a une zone érogène sur cette Dolls. Imaginons, il y a une zone érogène qui lui fait bouger les lèvres. Merci. Merci à YouTube de me follower si tu viens d'arriver. On est en train de faire un giveaway pour faire gagner une batterie externe avec un power. Il te suffit, juste avant la minute qui te reste, de copier point d'exclamation, Guicourt majuscule, comme tout le monde, et tu participeras automatiquement à notre giveaway. Voilà. Si tu gagnes, à ton nom, adresse, et c'est la marque qui t'enverra directement cette jolie batterie externe avec deux prises USB, prise USB type C, et que tu peux plugger directement sur ton mur. Et quand tu enlèves la dragonne, c'est pas une dragonne, c'est un câble USB type C. Putain, mais c'est trop bien l'idée. La seule innovation de 2022, c'est nous qui l'avons. Alors, moi je veux la Dolls, sinon. Ah, tu veux la Dolls ou tu veux pas la Dolls? Chuck Norris, même sans jouer, il gagne. Oui, il a peur. Dans le chat, elle va te priver de Sheba. Ah, il ne reste plus que 30 secondes à ceux qui viennent d'arriver, qui n'ont pas encore participé. Vous avez point d'exclamation, Guicou, en majuscule, et vous participez au giveaway. On va le faire là, parce que, alors je vous cache pas que j'ai participé aux deux dernières et j'ai gagné. Donc j'ai été remis en jeu, parce que je suis quand même sympa, moi je l'ai déjà la batterie, donc je vais pas non plus gratter comme ça. Mais je sais pas pourquoi ça a buggé comme ça, mais voilà. Est-ce que je peux remettre de la pub un peu ou pas? Pas encore, 4 minutes. Ah mais je mets une... Et à chaque fois que je fais gagner un truc, je vais... Allez, on fait le gagnant, parce que là, ça a beaucoup trop duré, vos conneries, là. Et là, je gagne encore. Bon, allez, c'est... Vite. T'imagines, c'est encore bas GLG. T'imagines, tu rejoues, il y a marqué... Bas GLG. Le mec, il va pas jouer. Il va pas jouer. Il y a un bug, il y a un bug. Bon, notre gagnant... C'est Six Shoot. Ok, ok. Donc, Six Shoot a gagné. Hop. La batterie. Batterie. Voilà. Donc là, je mets un commentaire. Par exemple, tu as juste à cliquer sur mon pseudo. Tu peux mettre chuchoter. Tu m'envoies ton nom, prénom, adresse, numéro de téléphone dans le chuchotement, par exemple. Et j'enverrai à la marque que tu es notre gagnant. Attention, la batterie n'est pas disponible avant le mois de février. Donc ne t'inquiète pas. Ce que tu pourrais faire en attendant, c'est les suivre sur Facebook et sur Instagram. Comme ça, tu peux les suivre. Et dès que la batterie elle est annoncée comme officielle, au pire, tu me rechuchotes en disant « Ça y est, GLG, elle est enfin officielle. » Et dans ce cas, je les relancerai moi avec les gagnants qui sont... toi et les gagnants qui sont en cours. Et dans ce cas, eh ben, ils te l'enverront eux directement. Si jamais la batterie t'en veut pas, tu te dis « Non, mais la batterie, je m'en bats les couilles, ta batterie de merde. » T'as le droit. Tu mets un commentaire en disant « Non, merci, j'en veux pas, on la remet en jeu. » Qui est drôle et pas drôle. C'est drôle. Parce que voilà, ça fait quand même trop qu'on peut gagner. Bon, ce qui est pas drôle, c'est qu'on va repartir encore pour une petite... Une petite giclée, dirait notre acteur préféré. Dirait la team Canette. Bon, alors, Six Up. Merci, GLG. Donc c'est bon, tu veux la batterie? Mets-nous un commentaire. Si tu dis oui, je veux la batterie, non, je la remets en jeu. Tu la remets en jeu, tu la gagneras pas, d'accord. Mais comme il y en aura 5 à gagner les batteries, tu auras peut-être une chance la fois d'après. Moi, je dis ça, j'ai chuchoté à sa place. Nien, ça marche pas. Mais non, ça marche pas. Alors, je mets... Oui, je veux la batterie. Big shot, alors. Big... Shot. Je note les commentaires parce que sinon BZH va venir et Fred vont me dire qu'ils ont gagné alors qu'ils avaient rien gagné. Batterie. Voilà. Batterie. Batterie. Elle est trop top cette batterie. Ah, non, c'est ça. Bah, je vois, il y en a 5 à gagner. Donc n'oubliez pas de les follower sur Instagram ou sur Facebook. Comme ça, ils seront contents de voir qu'il y a eu une petite pic de followers hier. Enfin, aujourd'hui. Bon, donc là, ils auront bien ça demain. Et quand on aura. Écumer les 5 batteries, à mon avis, on pourra encore gratter des trucs incroyables. Bon, alors revenons-en à nos moutons. Prochaine pub dans 1 minute 28. Bon, le dernier giveaway. Caméra IMU. Caméra sécurité. 2,5K. IP Wi-Fi. Alors nous, on avait testé la IMU Ranger SE il y a pas longtemps. D'enfer, cette caméra. Très bonne qualité. Mode tracking, elle te suit dans la maison et tout. Vraiment un produit très sympa. En plus, vous remarquerez que sur Amazon, le premier prix... il y a une carte de cloud. Ah oui, donc là, ça doit être sans la carte de cloud. Sans un cloud n'a rien à voir dans l'histoire. Même la 4 MP en HD, elle fait quand même 40 balles, quoi.
Voilà. Donc 40 balles, petite caméra IP ou Wi-Fi, détection humain, suivi intelligent, sirène. Donc comme ça, s'il y a quelqu'un qui passe, tu peux mettre un détection de mouvement, la sirène, détection automatique, le suivi, tu peux l'activer ou pas l'activer, compatible Alexa, et tout ça pour surveiller les bébés, les animaux et les chameaux. Non, ben les chameaux, en théorie, la tracking et tout, en théorie, on est quand même plutôt tranquille. La caméra est quand même plutôt sympa parce qu'elle fait partie de cette gamme Imu Ranger. Moi, l'autre, j'en étais plutôt content. J'ai fait une bonne review. Elle a cartonné l'autre. Elle était en promo à 32 euros, je crois, sur AliExpress. Au moins 15 ou 20 qui sont partis dans les 48 heures parce qu'on avait un bon code promo et que la caméra fonctionnait super bien. Moi, j'aime beaucoup. Imu Ranger 2C, donc 4 millions de pixels. Wi-Fi, nanana, donc 4 millions de pixels ultra, ok. Vision nocturne. Enfin, on l'a vu. Alors, en nocturne, ça filme en noir et blanc, mais dans l'un. Vision 360, donc elle est motorisée en hauteur et en rotation. Détection humain, suivi intelligent. Détection sonore, c'est-à-dire que s'il y a un bruit, un bébé qui pleure ou un chat qui miaule, tu peux avoir une détection. Et comme il y a le mode talkie-walkie, tu peux lui dire « Mais non, mon petit bébé, arrête de me casser les couilles, je suis en train de regarder la télé. » Voilà. Et là, il vous entend. Ça arrange rien, mais bon, voilà. Wi-Fi 2,4 Go, c'est bien. Mode confidentiel, encore une fois, pour la fermer. Et audio bidirectionnel. Il n'y a pas de sujet dans le... Non, c'est juste où fait gagner des cadeaux. 3 cadeaux à gagner, pas de sujet, freestyle. Il moule le blé. Juste en freestyle, on est bien. Essaye de choper des figurines manga. C'est super cadeau. Ah, ça dépend pas de moi. Hein. Je veux dire, moi, je suis en deal avec les marques high-tech. Pour l'instant, voilà quoi. Donc, caméra. Donc là, la vision infrarouge. Le bidirectionnel pour parler avec le chien. Regarde, t'es à la blague. C'est... La meuf s'est dit, moi, je parle avec mon chien. Elle n'a pas d'amis. Je parlerai avec Jeanne en Madolls. Avec Madolls, je mettrai un téléphone hop, dans le web et ça sortira par la bouche. On pourra discuter ensemble. Donc, la caméra, elle est comme ça. Et c'est donc la caméra que vous offre la marque Imu ce soir. Encore une fois, ça marche toujours pareil. On lance le giveaway ici. Il vous suffira de copier dans le chat point d'exclamation Miku. G-E-E-K-O-U, et à la fin, il y en a un d'entre vous qui sera tiré au sort et qui gagnera cette magnifique caméra IP qui vous sera envoyée directement par la marque Imu. Et je suis convaincu que Imu, on pourrait arriver à gratter d'autres cadeaux, comme ça, de vous à moi. Je regarde un peu, il y a quoi comme commentaire. Les tops, cette batterie, félicitations, toi aussi. À coup, cette petite caméra pour filmer ma future doll, ben ouais, pour voir si elle bouge pas. En time lapse, et si tu vois qu'elle bouge, c'est qu'il y a un problème. Elle est vivante, comme dans les jouets du grand JD, tu vois. Tu dirais peut-être qu'elle bouge et tout pendant que t'es pas là. Il n'y a pas de sujet dans le live aujourd'hui. Non, aujourd'hui, c'est juste freestyle. On lit les commentaires et je vous fais gagner des cadeaux. C'est bien le dimanche. Non, en même temps, derrière, il y en a qui ont bien rigolé, hein. Surtout les gagnants. Et c'est, ah, ça, c'est bon. Ok, bah, j'ai lu tous les commentaires. Désolé, j'étais en train d'admirer ma nouvelle télé. Eh bah, ben écoute, Souldim, t'arrives juste à la fin du jeu. T'as joué Souldim ou pas? Encore. Point d'exclamation Geekou. T'as pas joué. Je regarde. Non, t'as pas joué. Alors, si tu veux partager, participer sous le dimmer, tu mets point d'exclamation Geekou en majuscule, comme tout le monde, et tu passeras par notre giveaway. Éventuellement, tu pourras gagner la caméra. Je vous rappelle, celui qui gagne la caméra. Je mets son nom et là il me clique sur mon pseudo, il m'est chuchoté. S'il veut pas la caméra, il me dit je veux pas la caméra, on la remet en jeu. Au cas où. Ça m'étonnerait. Enfin bon voilà. C'est-elle le café? La Dolce ou la caméra? Faut être précis. Je passe du coq à l'âne en sautant la Dolce. Donc il faut que. Hein, il faut que voilà. Oh, ça va être chaud mercredi. Hein. Ça va être chaud. Le live de mercredi va être chaud. Nico, hein, Goldorak, il a joué, il gagnera pas. Et après, si tu gagnes, tu choisiras soit le chèque cadeau, non, soit. Ah non, t'as gagné quoi? Non, Goldorak, non, t'as rien gagné, toi. T'es Goldorak, je confonds les pseudos. Bigfoot, Geekou, ok, donc ça c'est bon, les tickets sont validés. Ok, non, c'est bien, ça joue bien. Ah, Shunammer, il a joué, donc ça c'est bon. Ah, on est bien, c'est bon, on peut terminer. Alors ça c'est bon. Oh, ça joue, hein. Ça joue bien. Ça joue pas trop en défense, ça joue en attaque, hein. Un petit peu là. Oula, ouais. Merci de m'avoir prévenu. Ah ben voilà, tu vois, écoute. 44 en ligne. On était à 48 il y a 15 jours. Hein. On aurait pu. Donc la dose, c'est trop fortement au chucky.
Ben écoute, ah, j'ai commencé un film ultra bidon hier, je crois, ça s'appelait sur Netflix, ça s'appelait Mother Android. Aïe, aïe, aïe. Oh, dès le début, j'ai dit, voilà, comme les androïdes sont en fait des humains qui. Enfin, ils ont pris des acteurs qui font les robots et qui tuent tout le monde. J'ai dit, oh là là, ça sent le truc, il n'y a pas de budget. Et alors après, ça part en couille dans la forêt avec deux abrutis là qu'on va suivre pendant une demi-heure. Après, j'ai dit, voilà, c'est con comme ses pieds, ça, mais voilà, ça m'a fait penser à la Dolce. C'est le cas de le dire. Est-ce que je peux vous mettre une pub? Allez, on fera les pieds. Comme ça, on fera une petite pause surtout. Hein. En plus de vous faire les pieds. Ok, ok. Putain, ça joue, hein. Putain, ça joue. Et un concept cuisine. Alors, j'ai eu... En parlant de concept cuisine, j'ai eu des demandes pour de l'électroménager. Notamment, la dernière, elle avait... C'est une meuf qui fait du marketing pour les aspirateurs et tout. Elle me proposait une friteuse, mais sans huile. C'est une espèce de friteuse, comme ça, où tu mets tes... t'achètes les trucs congelés, tu les mets dedans, ça les décongèle, ça les cuit, mais pour moi, il n'y a pas d'huile. Mais jamais, j'ai dit... Non, je vois pas comment, je vois pas le délire, toi. Je vois pas le délire de faire des frites, machin et tout. Déjà parce que je suis une grosse feignasse. Merci à BDDH pour les diamants. Déjà parce que je suis une grosse feignasse, mais je dis ouais, une friteuse sans huile, machin et tout. J'étais pas trop chaud, tu vois. J'étais pas trop chaud. Pourtant, j'aurais pu prendre du pognon, hein. Comme à toutes, hein. Tu sais, elles sont prêtes à payer les meufs. Parce que personne veut le faire. Le problème, c'est personne veut le faire. Alors, trouver un qui veut le faire, c'était pour moi, quoi. Mais toi, j'étais pas trop chaud et tout. Il y aurait peut-être. Après. Je pense qu'il faudra vraiment voir aussi comment les lives se démocratisent, tu vois. Le mercredi, on fait un live un peu déconne sur un sujet. Donc là, mercredi prochain, ça sera sur les Dolce. Enfin, il y a un fabricant de Dolce en Chine qui voulait que j'en revende, machin. Enfin, bon, on expliquerait ça mercredi. Le samedi, bah, les reviews, on parle des reviews de la semaine, éventuellement des produits que j'ai reçus. Et un dimanche sur deux, je fais des cadeaux. Et là, je réponds à tous vos commentaires et vos suggestions, bien évidemment. La TV, ok, c'est bon. La femme est l'objet de la cuisine le plus cher. Pour l'entretien. Surtout à policher. Oh, les jeux de mots, effectivement. Je sens qu'on va bien rire mercredi. Je sens aussi que mercredi, on risque de racoler un peu plus de monde. Je vais te faire une bonne vignette. La clique là, comme on les aime. Voilà, ça devrait marcher. Si, le chèque cadeau. Ah oui, mais c'était... Oui, Goldorak. Ouais, Goldorak a gagné le chèque cadeau. Voilà. Et Sigshot, la batterie. Et la caméra. Attends, je lis un peu les commentaires. Mother Android est dans mon watch. Bah, laisse tomber. Hein. Tu vas te... Il n'y a pas de truc. C'est une espèce de chasse dans la forêt avec deux jeunes qui sont complètement cons comme leurs pieds. Tu vois, comme ça. Oh, j'ai enceinte. Oh, mon Dieu, c'était horrible. C'était horrible. Dans la forêt de Dana. Dans la forêt de Dana. Voilà. Bon, exactement. Voilà. La prononciation de mon pseudo, c'est Headshot. Headshot. Oh, la classe. Ah, bah, si tu veux. Mais je continuerai à dire. Non. Ok, Headshot. J'arrêterai de le dire. Voilà. Pub. Ok, c'est bon. Je vais enlever. Alors, si c'est nul. Non, tu peux l'enlever. C'est vraiment bidon. C'est vraiment bidon. Dès le début, quand les androïdes se rebellent, déjà, tu te dis waouh. Ah, on en est là déjà. Ah, ouais, ça va être nul comme ça. Il n'y a pas trop d'effets spéciaux comme ça. C'est juste. Ils ont mis des humains. Tu quoi. Mais c'est des robots. Donc, tu te dis déjà. Tu dis, ça part mal. pub chelou de Toyota. Alors, pub chelou de Toyota, c'est pub quand même. Hein. Toyota, oh, EasyFlex. Ouais, pourri la pub. Oh, c'est, bah écoute, moi, personne ne l'a vu. J'ai le nouveau Pierre Belmar 2.0. Ouh, ça fait longtemps que je revendique ce tien. Tu as tort pour la friteuse. J'en ai une, c'est cool. Ouais, mais je me vois. Mais oui, mais c'est pas que ça soit nul ou pas, c'est que je me vois pas moi faire une review. Je me vois pas aller acheter des frites, mettre le truc dedans pour faire des frites et voilà quoi. On n'en est pas là. Alors que une Dolce et des bananes, il y a moyen de faire plein de trucs, tu vois. Tout de suite, ça ouvre énormément de possibilités, tu vois, de jeux, de cuisine. Pareil. Bon, on revient à un truc. Vous pouvez plus partir. Ça c'est fini. GLG, ça prit chaud. Mercredi, il y aura du que tard. Mercredi, il y aura du que tard. Pareil, plus un sans huile. C'est bon pour ce que tu as, Greg. Oui, j'espère, ouais, ouais. Ça parle d'huile pour friteuse. on se demande. Bonjour, ok, Emmanuel, t'as gagné quelque chose?
Pas encore. Ok. Bon, bah, c'est bon. Bon, allez, on fait le tirage au sort de la caméra, puisque ces bêtises ont assez doré. T'as gagné quelque chose? Le droit de rejouer. Ben, on verra. Peut-être que là, pour la caméra, notre bail gagnant, c'était Goldorak. Après, c'est cette shot. Pay shot. C'est hot. C'est hot. On va t'appeler C'est hot. Qui sera en corrélation avec notre live Dolls de mercredi. Mais c'est vrai qu'il y aurait moyen avec une Dolls. Du coup, je me dis, putain, faire des lives avec la Dolls. Oh, incroyable. Bon, si on tirait le gagnant, notre dernier gagnant de la soirée. Putain, ça a duré longtemps aujourd'hui. Hein. Goldorak, 08. Bon, bah écoute, Goldorak, c'est nul. Alors, Goldorak, il va te falloir choisir. Soit tu gardes le bon d'achat de 10 balles. Soit tu prends la caméra, tu nous dis, et en fonction de ce que tu gardes pas, on remet l'autre en jeu. Alors, caméra, c'est nul leur truc. Pourquoi c'est toujours les mêmes qui gagnent? Bon, au point leur truc, hein. Alors que normalement, ils auraient dû pas pouvoir gagner. Bon, qu'est-ce qu'on fait, Goldorak? Lequel tu veux? Soit tu remets le jeu, soit tu remets en jeu. tirons dessus et tu tirons en jeu. Alors, Goldorak, c'est ou le bon d'achat ou la caméra. Donc, soit tu mets la caméra et dans ce cas, je te la valide. Je veux bien la caméra. D'accord. Donc, on remet en... Bon. Ok. Donc, ça, c'est Goldorak. C'est suspect. Suspect. Donc, alors, on termine là. Donc, je remets le bon d'achat en jeu. Puisqu'il a déjà gagné. Ok. Je vous remets le bon d'achat en jeu. Et puis, ben là, vous pourrez... Alors, c'est bien pour ceux qui arrivent à la fin, qui avaient loupé le bon d'achat. Je vous rappelle, il y a un bon d'achat 10 euros Amazon à gagner. Exemple, offert gracieusement par moi et par Amazon, bien évidemment. Je le remets en jeu ici. On reprend le giveaway. Vous mettez point d'exclamation Geekou. On attend les 5 minutes. Tire le gagnant en espérant que ce ne soit pas encore ses shots. Hein. Sinon, c'est nul. Et dans ce cas, mais encore une fois, le but c'est que vous puissiez gagner qu'une seule fois parce qu'après, sinon, c'est un peu nul. Par moi et aussi par moi. Merci, merci Goldorak d'avoir honteusement. Fais chaud cette caméra. Non, mais parce que en fait, tu voulais. T'as mis tout ton karma dans la caméra. Putain, en fait, la caméra était bien. Merde, j'aurais préféré la caméra que le bon d'achat. Voilà. Bon, allez, c'est parti. C'est reparti pour le jeu. C'est bizarre, hein, ce jeu. Après, je vous promets que j'ai pas essayé de truander le machin, quoi. C'est vraiment un random. Mais bon, le problème, c'est que vous êtes pas assez nombreux, quoi. Vous êtes que 40. Il y a une 20 ou 25 participants et que c'est vraiment un truc random. Et qu'on avait quand même très peu de chances de tomber deux fois sur moi. Même si c'était très drôle, on est d'accord. Et quand même, deux fois sur Goldorak, je veux dire, toi aussi Goldorak, hein, c'est bon. Hein. Toi, si t'es célibataire, achète-toi une Dolls. Hein. Non, si t'as. Va acheter un Gratto-Gratte. Va acheter toi une Good Dolls pour jouer au Gratto-Gratte. Tu fais comme tu veux, dans le sens que tu veux. Je pense qu'on a dit beaucoup trop de bêtises. Je peux mettre une pub ou pas? Non, un peu tôt là. Non, tu vois. Alors, chaque fois que je mets un truc en jeu, je fais gagner un. Je mets une pub, je veux dire, hein, aujourd'hui, c'était banco. Hein. 47 pubs. Plus de pubs que de participants. J'ai jamais regagné. Bah là, t'as gagné deux fois. Comme quoi. Hein. C'est ça, mais ouais. Ou peut-être parce qu'il y en a qu'on citait ton pseudo dans les commentaires. Je sais pas comment ça se passe. Alors, l'algorithme là, pourquoi il se tire en random, mais il n'y a même pas moyen de. Pour une fois, je suis content. Ah bah carrément, tu repars avec une petite caméra IP Wi-Fi. Donc pareil, tu chuchotes. Tu retournes en chuchoter et tu m'envoies nom, prénom, adresse et numéro de téléphone, bien évidemment. Et ça, j'enverrai ça à Imou demain. Et c'est Imou qui t'enverra, bien évidemment, la caméra directement depuis leurs entrepôts. Voilà. C'est totalement random. Random. Le dieu random. Ah ouais, mais le dieu random, on a décidé. Il s'est dit Goldorak. Goldorak, quand même. Le dieu random, il s'est dit, c'est un robot, le dieu random. Il s'est dit, dans le chat, il y a qui? Goldorak, c'est un peu le dieu des robots. C'est pas Nono le petit robot qui fait, tu vois, qui fait le jeu. Ou Astro Boy, tu vois, ou Astro Boy, mi-robot, mi-enfant. Tu vois, il s'est dit Goldorak quand même, c'est le plus puissant des robots. Goldorago, puissant robot de l'espace. Goldorago, à tes ennemis, fais face, tu vois. Donc l'algorithme s'est dit, il faut que je le fasse gagner entre potes. Donc c'est du favoritisme entre robots. On a l'explication. Moi je dis, j'ai trouvé l'explication. Bim, Nono. Ça marche pas. Moi, donc, comme je dis, c'est du favoritisme entre robots. En plus, on a parlé des androïdes et tout. Tu vois, tout est lié, ils nous écoutent. Quoi, Nono? Ah oui, Nono le chat. Ah oui, Nono, il n'y avait pas un Nono le petit robot? Il y avait Astro Boy et Nono le petit robot.
Ça me dit quelque chose. Si je gagne pas, je te transforme en tas de fer. n'oublie pas de follow participer. Voilà. Alors, il faut follower sur Twitch, bien évidemment. Si c'est pas encore fait. Et vous tapez point d'exclamation Geekou en hommage à mon chat qui est mort samedi. Pas mon chat, t'as mon chat depuis 3 semaines, mais bon, je suis attaché, tu vois. Comme Adult, elle est attachée. Bon, laisse tomber. Mais voilà, après, ouais, il fallait trouver un mot. Wow, merci à Etoilda de me follower, c'est pas mal. Il te reste 1 minute 30 pour jouer. Donc tu vas dans le chat, tu mets point d'exclamation, Geekou, tout en majuscule, et tu participeras à notre tombola pour gagner un bon d'achat de 10€ sur Amazon. Puisqu'on n'arrête pas de remettre en jeu les trucs là, ça marche pas du tout ce truc là de jeu. J'ai trop pris mon temps au début parce que si je prends mon temps, il y a 3 cadeaux, ça va pour tenir 1 heure. Et ça va pas marcher du tout. Non mais j'ai participé au truc, j'ai gagné 2 fois. J'ai pas compris, alors j'ai remis en jeu et tout voilà. Tom Cruise, Geekou, c'est bon, c'est validé. Etoilda, Geekou, c'est validé. Ok. Première fois. Pourquoi ça marche pas? Ça y est, ça rafraîchit. Mathilde Bad, Bigfoot. Ça n'a pas marché. Étoile DS. Alors, Rolls. Remets-le, t'as du machin arrière, t'as mis 2 points d'exclamation, Tom Cruise. C'est 1 point d'exclamation, Geekou. Étoile DS, il est là, et pourquoi ça n'a pas marché? Remettez, hein, point d'exclamation, et il vous reste 16 secondes. Point d'exclamation, Geekou, en majuscule, G-E-E-K-O-U, 42 GF, c'est bon. Tom Cruise, c'est bon. Ah, parce que peut-être vous ne me followez pas, alors. Ah, peut-être vous ne me followez pas, donc ça marche pas. Faut bien me follower, hein. Faut bien cliquer sur follow, en haut, c'est gratuit. Sinon, ça marche pas, le jeu. Bon, c'est fini, 29. Rook, Bigfoot, au dernier moment. Putain, sur le fil, hein. A retenu. C'est tout planté le truc. Les derniers, c'est Rock, Tom Cruise, Rolls, Matt, Backpedo, Alex. Bon, allez. Ça va rafraîchir un peu. Ok. Bon, allez, donc là, on joue pour le bon d'achat. Donc si c'est Goldorak et c'est Hot qui a gagné. Pas, faudra choisir. Donc là, j'ai barre. J'ai même pris une fois qui est des grandes. Bon, allez, on tire le gagnant. Bonjour à Rock. Bonjour à Rock. T'as pour peu, c'est toi qui gagne. Alors là, ils vont hurler tous là. Prends le Hoon. C'est toi qui gagne le bon d'achat de 10 euros. Félicitations. Si c'est génial, on joue. Bravo, Fred. Voilà. Donc Fred, tu cliques sur mon pseudo, tu mets bien évidemment chuchoter, tu cliques sur chuchoter et tu m'envoies ton adresse email, ça suffira. Je vous rappelle, celui qui a gagné le bon d'achat, il a juste envoyé son adresse email, celui qui a gagné la batterie, c'est-à-dire Serot, et la caméra IP Goldorak, vous m'envoyez nom, prénom, adresse, numéro de téléphone en cliquant sur mon pseudo et en mettant chuchoter. Voilà. Si Fred, tu ne veux pas le bon d'achat, tu me le dis, et dans ce cas, on le remet en jeu. T'es tentant, hein? T'es tentant, Fred, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Et c'est les gens jour là. T'es tentant, Fred? Qu'est-ce qu'on fait, Fred? Merci, Greg. Merci à tous. Merci, le robot. D'accord. Donc, on ne remet pas en jeu. Tu te poses la question, Fred. Est-ce qu'on le remet en jeu ou pas? Est-ce que tu serais prêt à remettre en jeu ton bon d'achat? Ou tu le gardes pour toi? T'es tentant, hein? C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait, Fred? Je prends le bon d'achat. J'aurais essayé. Mais regarde-le. Il est pas joué. Ouais, c'est ça, bah ouais. Ouais, il aurait pu. Moi je propose. Si vous le voulez pas, vous voulez le remettre. Ouais, ça aurait pu être drôle. Après, chacun fait ce qu'il veut. Il y a deux écoles. Il y a des mecs qui disent bah 10 balles, c'est 10 balles, hein, 10 balles Amazon, c'est toujours bon à dépenser. Puis il y a l'autre qui dit s'il leur met en jeu, je peux peut-être le gagner. Donc en même temps, si je mets un peu la pression, peut-être que voilà, pour la blague ou pas. On gagnera jamais, t'inquiète, connerie. Bah écoute, moi j'ai gagné 2 fois. Shadow, tu vois, comme quoi, moi j'ai gagné 2 fois. Après toi, t'as peut-être pas gagné, moi j'ai gagné 2 fois. Et Goldorak, il a gagné 2 fois aussi.
Ah, tu vois, je veux dire, c'est comme ça. Il y a des gens qui gagnent et des gens qui gagnent pas. c'est pour acheter ça, pour précommander sa dole. Il s'est dit 300$ et 300$, 10 balles, c'est toujours 10 balles. Tu vois, il s'est dit, hey, c'est déjà un investissement. Merci, bah écoute, félicitations à Fred déjà qui est toujours là, qui est là à tous les lives, qui participe, qui anime, qui des fois il fait des blagues drôles et tout, tu sais, tout peut arriver, puis peut gagner et tout, c'est vrai que tout va bien. Bon, ainsi se termine ce petit GLG part en live de dimanche, bien évidemment. Prochain rendez-vous, ça sera mardi matin, mais très très tôt pour l'enregistrement du JT du Geek, donc là c'est 4h du matin pour vous, donc ça va être un petit peu tôt pour l'enregistrement du JT du Geek. Sinon, le prochain rendez-vous, c'est mercredi à 16h pour un live spécial Dolls. Je ferai voir le site, on regardera les photos dessus et tout. On regardera le site, comment il est fait. On verra le PDF qu'ils m'ont envoyé, on verra les tarifs, les tailles, tout ça. Vous verrez les prix en dollars, les prix revendeurs et tout. Je vous montrerai tout, j'en s'en fous. De toute façon, après, c'est pas comme si... voilà. Moi, je peux pas. Et voilà. Donc ça sera le live. Donc n'oubliez pas, pour ceux qui regarderont ce live, peut-être en loose day, merci à BZH pour les diamants. Et merci à tous les tipeurs, hein, pour les tips qui sont passés. Si vous regardez ce live en loose day, n'oubliez pas de me follower, bien évidemment, sur Twitch. Vous allez sur Twitch. Si vous regardez cette vidéo sur GLG Vidéo, par exemple, demain, vous inscrivez sur Twitch, vous me followez sur Twitch. Merci à Shadow. Vous me followez sur Twitch, c'est gratuit. Je ne vous montre pas, vous pouvez vous abonner, mais ça, c'est juste si vous voulez. Il n'y a pas de. Non. Vous juste me followez, comme ça, vous serez là. Et mercredi, pendant le live, vous pourrez participer un peu pour ce live spécial. Voilà. Spécial. Live à thème. Spécial. Non, mais je vais vous trouver une petite vignette, là. Sympathique. Je vais faire un truc, là. Oh, c'est genre. Non, mais je suis outré. C'est-à-dire, je le fais juste parce que vous me demandez. Moi, j'aurais préféré parler de high-tech, bien évidemment. Déjà fini, c'est cool. Merci, c'était génial, avec plaisir. Comment je chuchote? Tu cliques sur mon pseudo, Fred. Ici. Non. Tu cliques sur mon pseudo. Regarde, par exemple, moi, Fred, je peux mettre. Je clique sur ton pseudo ici et je peux mettre chuchoter. Donc, je pense que toi, ça doit être pareil. Voilà. Ou sinon, Shadow est mis en haut à droite. Tu cliques des merdes, des merdes. T'as jusqu'à demain pour me l'envoyer. Enfin, t'as ad vitam aeternam. Tu vois, pour me l'envoyer. Mais il faut que je mette Fred. Il faut que je mette ton nom. T'as gagné quand même. Fred. Fred le Oum du pays des Hobbits. Merci de sacrifier pour la vignette. Non, mais c'est ça. Non, mais après, toute ma notoriété et ma crédibilité et mon innocence vont partir avec une vignette. voilà. Bon, allez. Je vous remercie de passer me voir. Plaisir. Cela a beaucoup trop duré, mais j'ai passé un excellent moment avec vous. Prochain live dans 15 jours, prochain dimanche dans 15 jours, sauf si on atteint les 300 followers avant dimanche. Oh, peut-être qu'avec les dolls, on peut, si on fait les 300 followers avant dimanche, et eh ben il y aura un live dimanche prochain. Donc pareil, là il y aura plein de trucs. Il y aura déjà une batterie encore à gagner sur les 5. Peut-être, je suis en train de voir, peut-être il y aura les mêmes lunettes que moi à gagner. Et le troisième cadeau, pour l'instant, n'est pas encore défini. Je vous remercie d'être venu passer voir, ça m'a fait plaisir. Merci à tous ceux qui ont mis des pouces en l'air sur YouTube qui vont regarder le replay demain, parce que ça c'est une autre chose. Merci à tous ceux qui ont envoyé des diamants, merci à tous ceux qui ont envoyé des Tipeee, merci à tous ceux qui ont followé. Merci, j'ai vu qu'il y en avait même qui s'étaient abonnés bien avant le live. Bravo gagnant. Merci à tous. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, j'ai beaucoup ricolé, bien évidemment. Et je donne rendez-vous mardi matin pour l'enregistrement du JT du Geek. Mais ça, c'est pas grave. Mais sinon, mercredi à 16h pour une spéciale. Ils ont essayé de me vendre des dolls. Ils ont essayé. Faut que j'ai trouvé un titre. Ils voulaient que je vous revende. Un fabricant chinois voulait que je vous revende des dolls. Ah, c'est ça. Voilà. Un fabricant chinois voulait que je vous revende des dolls. C'est pas mal. Allez, bonne journée à tous. Forcément, je vous kiffe. Bye bye.